Oh! Bonjour. Hey, j'espère que mon son va être bon cette fois. Ça fait quand même 2 ans que j'ai pas fait ça. Mais bonjour à tous. En espérant que vous allez bien. Alors, bonjour à tous à cette soirée. Donc, la première soirée de l'LQP de saison 7. Donc, c'est pas vraiment un match pour de vrai. C'est plus un, comme un essai, une exhibition pour voir s'il n'y a pas du monde qui veut se rajouter, mais voir s'il y a du monde qui aime pas ça, ou que ça va rendre autre chose, ou peut-être voir si la formule commence fonctionne encore. Écoute, on va essayer, on va écouter les petites affaires, on va voir si ça fonctionne. Bon, c'est ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, fait que si jamais il y a un problème de son ou quoi que ce soit, dites-moi là, puis on verra bien si tout fonctionne bien, sinon. Si tout fonctionne bien, écoute, tant mieux. Mais sinon, à ce soir, déjà, on a quand même pas mal de beaux mondes qui sont là ce soir. Je pense qu'on va avoir quand même des bons matchs, en tout cas, j'espère. Pour l'instant, on dit un 3-2-5, on va voir comment ça va aller. Je pense qu'ils vont jouer jusqu'à ce qu'ils s'écœurent. Niveau méta, il n'y en a pas de méta, là. La compétition a terminé, je pense qu'il y a un an et demi. Il n'y a plus de compétition depuis un an et demi, même peut-être plus. C'est Paladin, on a un peu fini la scène compétitive. Fait que la méta, on la connaît pas. Mais on sait de toute façon que dans la LQP, il y a tout le temps eu une méta qui est très propre à la LQP. Fait que on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Moi, je pense qu'on va avoir des nouveaux personnages qui vont s'être développés pour tout le monde. Puis sans plus tarder, ben, je vais pouvoir vous les présenter d'ailleurs, parce qu'on a des noms qui sont quand même très légendaires à travers cette agglomération de personnages. On a évidemment Turondin qui est là depuis le début et qui nous a habitués à beaucoup de plays très agressifs, en fait. Il joue un flex, mais il joue vraiment des flex qui vont aller dans le top et qui vont se mêler de l'attaque. On a Arimi qui revient aussi, et quand je dis que Turondin est dans l'attaque, puis Arimi est les deux fois plus. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que sa phase préférée pas mal, c'est « Ah, je suis morte, mais je l'ai tué, fait que c'est correct ». Fait que je pense qu'on va voir beaucoup de ça d'Arimi. Encore une fois, elle peut faire un peu de n'importe quoi, mais je m'attends surtout à ce qu'elle joue probablement un off-healer offensif ou quelque chose comme ça. J'espère pas voir d'Azan. On va voir ce que ça va donner.
Mais bon, c'est peut-être juste des préjugés. Mais pour l'instant, Azan, il a tout le temps l'air un peu détesté. Mais on verra bien ce que ça va donner. Peut-être un Drogoz, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bon Drogoz. Mais là, déjà, ça va être dur. On voit qu'avec les bans, il va se passer des bonnes choses. Peut-être qu'ils vont se bannir Drogoz, peut-être qu'ils vont bannir Eevee pour Turondin. On verra bien ce que ça va donner. À part ça, ben, on a aussi Marcobu. Marcobu qui est un main tank, qui a joué énormément de Makoa. Mais on sait qu'à travers les années, il s'est un peu diversifié, il a décidé comme d'aller faire d'autres choses. D'aller faire un peu plus de soit du healing, il y a beaucoup de fait de IO pendant un certain temps, mais le IO a été nerfé. Fait que je sais pas ce qu'on va voir de Marco ce soir. Est-ce qu'il va continuer à aller dans le tank? Probablement, d'après moi, mais on verra bien. Sinon, aussi, bon, notre fameux Bill Talon 69, bon, moi je l'appelle Zero Pin Bar ou bien Hugo. Lui, bon, il arrête pas de partir et puis de revenir. C'est comme il y a eu des pauses de 2 ans de faire la même. Là, est-ce que Hugo commence justement, tu sais, c'était une grande force auparavant, un GM Latam, comme on l'appelait. Est-ce qu'il commence à diminuer un petit peu, là? Il commence à moins jouer, ça fait des années qu'il joue moins. Peu importe, on va voir. Soit qu'il va jouer off-tank, il est très bon off-tank, ou bien il va jouer son fameux Buck. Mais ça m'étonnerait qu'il puisse, d'après moi, il va être banni, comme d'habitude. En même temps, il y a beaucoup de monde à bannir aujourd'hui. Ensuite, on a... Là, j'ai reçu un petit message, je veux aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce que la canne? Ben oui. Déjà, on me demande qu'est-ce qui se passe. Face reveal, Hugo! Ben ouais! J'ai décidé de rajouter ça pour le fun. Fait que ce sera pas long, je vais juste finir ma présentation des joueurs, parce qu'on pourra commencer le match. Donc, après ça, on a Lipman. Lipman qui est un. Ben, on l'a connu pendant très longtemps comme étant un main tank, mais lui, main tank. Donc, il a fait des H main tank. Il a fait des ROM main tank, il a fait beaucoup de main tank, mais depuis c'est un peu diversifié, il a sorti des affaires un peu plus funky. Est-ce qu'on va voir une flank service ce soir ou encore une Moji? Je sais pas. On verra bien ce que ça va donner. On a aussi Seven Flame. Seven Flame qui nous habitue à ces gros plays de Furia avec des beams. Fait qu'est-ce que c'est ce qu'on va revoir ce soir? Ça se peut très bien. Mais sinon, c'est quand même possible qu'on voit une hache de sa part ou encore peut-être qu'elle va sortir la Tyra ou la Willow. On va bien voir ce qu'elle va nous donner là. Aussi on a Jacob que pendant des années j'ai essayé de le faire comme de l'entraîner en off tank parce qu'il nous manquait ça dans notre équipe Citadel quand on faisait de la compétition. Malheureusement ça n'a pas marché. Jacob est devenu un peu un flex, il fait un petit peu ce qu'il veut. Les dernières fois qu'on jouait en équipe, il a sorti son Zin et il a commencé à être vraiment bon avec son Zin. Il a commencé à carry quand même. Fait que j'ai hâte de voir s'il va ressortir ou bien s'il va sortir quelque chose de nouveau. Je pense pas qu'il joue beaucoup ces temps-ci, mais on sait jamais, peut-être que les anciennes skills vont revenir. Ensuite on a Lomeas. Lomeas qui lui aussi c'est un que. J'ai mis des anciens que j'ai enlevés, que j'ai remis, que j'ai enlevés, il revient, puis tu sais pas trop pourquoi. Là, encore une fois, ça fait comme des années que je lui ai pas parlé, puis le bang, il dit « Ah, ça me tente d'être occupé! » Ok, bon, ben Lomeas est revenu. Lomeas qui est reconnu pour être lui aussi un main tank. On se souvient notamment de ses plays de Cannes. Fait qu'on voit s'il va rajouter quelque chose de nouveau dans son arsenal. Je pense que ce qu'il jouait de Terminus aussi, je pense qu'il jouait de Terminus aussi. Mais je me souviens surtout de lui en tant que Cannes. Ensuite, qui est-ce qui nous manque? Ben là, il y avait Contrôle, mais Contrôle, il a peur d'être là ce soir, malheureusement. Peut-être qu'il va arriver plus tard dans la journée, mais si Contrôle est là, il a dit qu'il est main support, mais tout le monde sait que son Andrew Oxus fait pas un plus peur que ça. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Sinon, finalement, il reste les deux recrues. Where's Cassie, qui est reconnu en tant que joueur manette, en tant que fin Saturne, en fait, sur son IGN. Donc, manette, fait qu'on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire hit scan à fond. Puis je pense que c'est un tank main surtout. Je le vois surtout avec des joueurs de tank. Fait que là, on a beaucoup de tank main, mais pourtant, je pense que c'est tous des tank main qui ont le goût de jouer damager. Fait que je pense que ça va être très damaging comme session de jeu. On va voir ça. Et finalement, on a Milou. Aucune idée ce qu'elle joue, honnêtement. Désolé, j'ai pas fait mes devoirs. Écoute, on aime les recrues. Go recrues. Puis on verra bien ce qu'elle va donner. Fait que sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en jeu. On va mettre un peu de son. Ouais. Donc, je l'ai pas dit, mais tant qu'à faire, on va aller voir ça tout de suite. Équipe A pour l'instant, parce qu'on s'explique très vite que ça change, mais en équipe A, on a Jacob, Lomeas. Jacob, j'ai dit Jacob, mais c'était G-Wix, pardon. Lomeas, Seven Flame, Lipman et Worst Cassie. Et dans l'équipe B, on a Arimi. On a Billy Talon 69, ou peu importe comment ça je t'appelle, Marcobu, Turondin et Xpilou. Donc déjà, je m'attends à des gros plays. Oh shit, du Tebas dans la place!
Je suis content de le voir, ce Tebas-là. Je suis content que tu sois venu nous voir ce soir. Peut-être ça même, ça va te scier, puis tu vas vouloir revenir après ça. On sait jamais. Bon. Là, je sais pas s'ils sont prêts ou quoi que ce soit. Moi, je vais aller spectate. Je vais commencer par changer de micro de place. Alors, on spectate qui? On va spectate lui. Faites pas de jaloux, c'est juste que je le connais bien. Bon, parfait, le match n'a pas l'air d'être commencé encore, mais ça s'en vient. Tu pensais que c'était des customs, Bass? Ben non, c'est pas des customs à soir pour l'instant, c'est une LQP qu'on essaie de partir. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, on a une quinzaine de personnes qui sont inscrites. Mais là, oui, je suis prêt à tout rondin. Tout va bien. Donc c'est ça, pour l'instant c'est une soirée d'exhibition, donc on montre un peu de quoi on est capable, puis on va voir si on peut avoir d'autres joueurs. On aimerait ça faire une petite saison, au moins à 3 équipes, peut-être à 4, pas plus, là, pas besoin de plus. Mais on va voir ce que ça va donner un petit peu. Tu sais, juste se rappeler des bons moments. Ça devrait commencer à tout instant, on va voir un petit peu d'autres tant qu'à faire, ça va aider. Dites-moi si le son n'est pas correct en passant. Je pense que j'ai checké ça tantôt puis ça avait l'air pas si pire, mais on verra bien. Je pense que mon voisin aujourd'hui va pas être content. On a des murs en carton, puis je pense qu'il va m'entendre. Ben, écoute, il m'entendra. Oh shit, on a Cafetman qui est là, j'avais pas vu non plus. Cafetman qui nous regarde en direct. Non, j'avoue qu'à 8h ou à 10, c'est correct, là. Il va se calmer un petit peu, mais il risque d'entendre des affaires qui va faire « Qu'est-ce que c'est ça, man? De quoi qu'il parle, ce gars-là? » Bon, j'ai fait des affaires bien pires. Ah ouais, là? Moi, j'ai dit qu'il part. Bon, Marco qui est online, qui est offline, après moi, ça commence mal. On a déjà des bugs, mais en même temps, on est dans l'équipé, c'est sûr qu'il fallait que ça arrive. Alors, j'ai même pas vu dans quelle map qu'on allait aller au début. Mais regarde, les autres qu'à faire. Je sais qu'ils ont choisi une map, ils ont juste choisi des pics. Ils ont fait tout ça pendant que je regardais pas. Ils ont fait ça comme des grands, écoute. Oh, j'ai manqué un bout de discussion, moi. Ah, il y a Pétale aussi qui est peut-être dans le coin. Ok, ils n'ont même pas choisi de map. Ils ont fait fuck that. Pas de map. L'équipe B qui a le first pick. D'après ce que j'en comprends, Mangrove. Alors, je pense que c'est Bright Marsh. Et l'équipe B qui s'appelle Team Eevee Band, ça a l'air. Ça m'étonne même pas. Que c'est juste les gens qui ont le rôle qui peuvent voir les teams tels? Non, je pense pas. Je pense que tout le monde peut voir le chat vocal. Bon. Uncute from spectating. Wow, on scan. On retourne dans le spectate, s'il vous plaît. Je veux du spectate. Comment ça, you are not authorized? Mange la merde. Bon, ben, tu rondin, ça fonctionne pas. On va voir Rémi. Et bon. Et là, on a Billy Talon qui est allé offline. Fait qu'on a l'air d'avoir encore des problèmes. Pourtant, QB, il est pas là. Puis je pense que Seven Flame a pas le même internet que d'habitude, qu'il y a très longtemps. Fait que je pense qu'on aurait été correct pourtant. Là. C'est pas grave, il faut se garder un peu de. Cosplay Emperor, c'est qui ça? Il faut se garder encore des anciennes traditions.
Ah oui, vous êtes capable. Billy Talon qui est arrivé. Je vais aller voir si leur game est prête. Ouais, Bright Marsh en rank 5 sur 10. Moi, je vois rien de mal là-dedans. Là, c'est sûr qu'il faut expliquer peut-être aux nouveaux comment rentrer dans le game. Mais il semble qu'il y en a bien des anciens qui devraient rentrer sans problème. Ah, voyez. Mais c'est pas pire quand même. J'avais 17h45, 8h. Ça semble être pas pire. Ça semble être dans ces eaux-là. Ouais, honnêtement, en regardant les équipes, je sais pas trop ce que ça va donner. On est habitué un petit peu de voir comme, bon, on a Turondin et Arimi qui sont ensemble, comme d'habitude. Puis là, on a Marco aussi qui se retrouve là avec, c'est qui les deux autres? Je pense que c'est Billy Talent. Ouais, Billy Talent et Milou. Évidemment, Milou, on sait pas ce qu'elle peut faire, mais les quatre autres, ils savent très bien jouer ensemble. On a déjà vu ça souvent. Même que Turondin, Arimi et Billy Talent étaient ensemble dans la même équipe la dernière LQP. Pour ce qui est de l'autre équipe, le salon est privé. Quel salon? De quoi qu'on parle? Il voulait venir jouer, mais il n'y a personne que je vois. Ah ben. Ben écoute, ta minute là. Comment est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas le montrer, ça va être trop dur. Écoute, Pétale, l'équipe A, c'est Jacob, Lemeas, Seven Flame, Libban et Worst Cassie. Et l'équipe B, c'est Arimi, Billy Talon 69, Marco Boubou, Turondin et Milou. C'est bizarre, je pensais qu'on pouvait les voir, mais peut-être que je me trompe finalement. Mais inquiète pas, tout le monde est là. Parce que je veux pas comme les mettre... Ah, mais attends, je peux peut-être les changer puis les mettre au minimum voyables. Everyone, voir le salon. Tiens. Là, ça va marcher. Tu vas pouvoir aller voir Pétale. Ok, dites-moi si vous voyez quelque chose. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un qui m'a kick. Non, ouais, c'est pas moi qui te kick, Worst Cassie. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'autre équipe. L'autre équipe, donc Jacob, G-Wix, Lemeas, les autres on joue tout ensemble. Seven Flame a joué pendant longtemps avec Jacob, avec G-Wix. Fait que déjà on a une bonne cohésion ici. Lidman qui va faire une bonne présence en avant, une bonne présence vétérane. Et on a Worst Cassie qui. D'après moi, c'est un peu la carte cachée. D'après moi, Worst Cassie, il est quand même bon. Fait que ça va peut-être aider. Oh, 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 on a un match. On a un match. Je me souviens même plus il y a combien de bans. Je pense qu'ils sont rendus avec un ban supplémentaire. Fait qu'on est rendu avec 3 bans, quelque chose comme ça. Je le sais plus. Donc, juste pour à des fins de pour reconnaître, G-Wix et Jacob que j'appelle depuis tantôt. MSOB64, je pense que c'est Lipman. Fin Saturn, ça c'est Worst Cassie. Et de l'autre côté, ben, tout le monde est là. Tout le monde a le même nom. Ça me semble tellement plus simple comme ça. Gardez votre nom. C'est bien plus simple. Parfait, merci Bass. Ok, fait qu'on banne Saati. Saati, y a-t-il quelqu'un qui joue Saati de l'autre bord? Ben, peut-être fin Saturne, mais d'après moi, c'est plus comme on veut juste pas l'avoir parce qu'on est écœuré de l'avoir. On banne Willow aussi. Donc, si Seven Flame va jouer Willow, ben, on l'oublie. Alors que du côté de l'autre côté, on joue ban Tyra. Tyra, et c'est quand même étonnant parce que je pensais pas que personne la jouait du côté des bleus. Mais écoute, on veut vraiment pas voir Tyra parce que probablement que ça fait chier quelqu'un ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'avec son Burn Monster, ça peut fâcher les tanks. Maintenant, Burn Monster va être nerfé incroyablement au prochain patch, mais c'est le prochain patch. On ban Terminus. Ok. Est-ce que c'est un move de Lemeas pour me dire non, je joue pas Terminus, regarde, je le prends pas. Fait qu'à la place, on prend Yagorath.
Écoute, c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on le voit, Yagorath, qu'on la voit, Yagorath, dans la LQP. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme je disais tantôt, dans la LQP, on a comme notre propre méta. Je sais pas si Yagorath va être une partie de cette méta-là. Ouais, Moji, j'espère qu'on va voir Moji librement. J'aimerais vraiment ça. Puis en plus, sur une Yagorath, ça serait quand même. Ça ferait du dommage, probablement. Iker, s'il y a un absent, ben écoute, je pense pas qu'il va en avoir ce soir, mais si tu veux comme te joindre à nous pour plus tard, c'est certain qu'il va en avoir éventuellement des matchs où tu vas pouvoir jouer. Alors, on a pris qui? Excusez-moi, je suis en retard. On a pris Ashe et Furia du côté des rouges. Furia, c'est nécessairement pour Seven Flame. Ashe, c'est nécessairement pour Amis OB64. Je m'attends à un level 660 kek avec lui. Et du côté des bleus, là, on va peut-être y aller pour une Cassie. Cassie peut-être pour Marco Boubou, pour Arimi, pour Turondin. Les trois, ça peut fonctionner. Comme j'ai dit tout à l'heure, Milou, j'ai aucune idée ce qu'elle va jouer. Oh, et on y va avec Damba. Damba, et finalement, on évoque... OK, avec... voyons, comment il s'appelle, ce gros-là? Rom. Rom, c'est clairement pour Billy Talent. Il joue pas grand-chose, Billy Talent. Ça fait longtemps qu'il a pas joué. Hop, là, finalement, on change. Ça sert à rien de tout de suite prendre Rom, parce que de toute façon, l'autre côté, je pense que juste Liebman qui le joue. Et Liebman va nécessairement jouer H. Donc, ouais, non, les tanks, c'est différent, mais c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, puis comme il y a pas de, comme la méta a pas mal changé, on sait pas trop ce qu'on va avoir. Fait que Yagorath puis Rom, c'est quand même drôle. Là, on va peut-être pas le voir. Là. On a finalement Shaolin. Shaolin probablement pour, je dirais, Arimi. Je pense que ça fait. Elle a décidé de le rejouer il n'y a pas longtemps. On verra bien. Oh shit! Est-ce qu'on a vraiment une Octavia? Une Octavia, je pense qu'il n'y a personne que j'ai jamais vu la jouer dans l'LQP. Non, mais c'est pas ça, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas eu de LQP en 2 ans. Fait qu'Octavia n'était pas là. Mais je pensais qu'il n'y avait personne qui la jouait. Là, on a un Bumpking. Bumpking, est-ce que c'est pour Jiwix? Peut-être. Oh, et là, je pense qu'on a un deuxième ban, un troisième ban. Je pense que c'est le ban de mi-ban, de mi-draft. C'est comme la nouvelle chose qui fait longtemps qu'on n'a pas vu. Là. Comme je l'ai dit, ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué. Fait que je pense que c'est le nouveau truc. Puis là, je pense que G-Wix, il comprend pas. Est-ce qu'il faut qu'il banne de quoi? Your team's ah, il a battu Vora. C'est quand même une très bonne idée. Parce que de l'autre côté, on a Turondin et Arimi qui jouent Vora, comme ça se peut pas. Surtout Arimi. Ça fait super mal, ce personnage-là. Ouais, Bass, il y a pas mal de personnages nouveaux, je te dirais. Puis ça va continuer à sortir d'ailleurs. On attend Bomb Queen dans 2-3 semaines. Fait que ça risque d'être le fun. On a un Grover qui arrive. Et on a banni Inara. Ok. On va essayer de t'enlever un point de tank. C'est quand même une bonne idée. Il y aurait juste Yagorath comme point de tank. Là, on a Inara. Fait qu'il va rester. Et il va rester Barrick. Puis fin Saturne, il est bon sur son Barrick. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Le Grover. Je sais pas qui c'est qui va jouer Grover. Sinon, il reste Khan aussi pour Lemias. Je sais pas trop qu'est-ce que Lemias va jouer là-dedans. Mais comme je l'ai dit, il semble que Lemias, je l'ai seulement vu sur Khan dans ma vie. Peut-être sur Terminus. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire à part ça. Oh, Vatu! Non, bug. Il va avec. Ça veut dire qu'on m'avait dit qu'on allait essayer des affaires nouvelles, tu sais. Non, c'est le level 73 bug. C'est bon. On prend le Khan ici. Le Khan, c'est quand même intéressant. Ça va sûrement être pour. Je sais pas, c'est pour qui, en fait. Non, là, je vais même pas essayer de dire c'est pour qui. J'en ai aucune idée. Oh, la Moji! Non, on veut une Moji. Non, après, si on prend un Talus. Un Talus pour fin Saturne, ça serait bien. Maintenant, oh, Moji. Moi, je pense que ça, c'est pour. C'est pour Liebman, pour Amis OB64. Mais à ce moment-là, Ash, ça va être pour. Ah non, finalement, fin Saturne qui jouerait Moji. Je savais pas que c'était un joueur qui. Ben, un champion qui se jouait bien sur manette. Alors, Buck reste effectivement dans les mains de Billy Talent. Quelle surprise. Marco Bou qui joue Shaolin. Ok, ça c'est cool. Il est le 34, je l'ai jamais vu jouer Shaolin. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ex-Milou sur Yagorath, level 51. Peut-être la wild card, Milou, sais-tu? Je pense qu'il y a plus d'expérience qu'on pense. Arimi sur Maldamba, ça c'est bien. Turondin sur Khan. Ok, on sort les trucs un peu plus bizarres. Même si on a des gros levels, c'est pas des trucs qu'ils jouent souvent. Il faut rappeler que Turondin, level 999, ça fait le même. Fait que c'est tous des gros niveaux qu'ils jouent depuis longtemps. Fait que même s'il y a un niveau 50, c'est pas des personnages qui jouent très souvent.
G-Wix sur Bomb King, ça c'est cool. Ça fait longtemps que je l'avais vu jouer sur Bomb King, mais je sais qu'au début, c'est comme son damager préféré. C'est clair, c'est pas Libman. Ah non, c'est vrai, t'as raison, c'est pas Libman, c'est Moutarde. Voyons là. Non, à Miss Obi 64, ça me c'est Libman. Peut-être qu'il c'est son Smurf. Parce que non, Fin Saturn, c'est vraiment Worst Cassie. Puis Libman, il est spoilé dans cette équipe-là. Fait que je pense que c'est Miss Obi 64. Ça semble que c'est un truc qu'il mettrait, ça. Ouais, c'est sûr, c'est un autre account. Là, parce que 28, non, il avait genre 700 quelque chose avec sa hache. Oh, oh, oh! Enfin, je me réhabitue à ça. Seven Flame sur Furia, c'est pas une quelque chose que on quelque chose qu'on est surpris. Le meilleur sur Grover. Je me disais bien que j'avais oublié comme des champions que le meilleur jouait. Mais je savais pas tant qu'il jouait Grover. Mais écoute, j'ai hâte de voir ce que le meilleur peut pouvoir faire dans cette game-ci. 250 maxé, ouais, c'est ça, il veut. 2 level 999 avec Ash. Let's go. Il peut sûrement le faire. Oh, on a Marco qui joue à Paladac. Est-ce que ça veut dire qu'il a crashé? Peut-être. Alors, on va pas commencer par Buck quand même. On va commencer par. Oh. Et c'est qui le piton? Il est votre tank. Il est là. C'est dur à voir parce qu'il y a une face. Et, d'ailleurs, c'est ça qui est cool, Bass avec elle. On va traverser sa bouche. T'as vu là, Tiger, la méta, on vient de commencer, là, c'est la première game de la saison 7. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué. Fait que la méta, on la connaît pas trop encore. On a une pause, c'est probablement justement. Pour Marco. Best Moji, j'ai hâte de voir ça, mon cher Whiskey Assis. On va voir ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des talents pendant ce temps-là? Oh, je pense qu'on va recommencer. Non. Vortex Grip. Ok, déjà c'est intéressant. Mais quoi qu'il ait été buffé il n'y a pas très très longtemps, Vortex Grip. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Spirit Chosen, Unnatural Persistence. Je sais jamais lequel prendre avec Yagarat. Fait que ça c'est autant mieux qu'un autre. Sand Trap pour Marco Bou. Ensnare pour Billy Talent. Ensnare. Bulk Up. Il est pas sûr finalement. Qu'est-ce qu'il veut? Boom Boom évidemment. Solar Blessing, ouais. Ça, j'ai hâte de voir ça parce que ces temps-ci tout le monde joue Cherish. Mais Solar Blessing. Moi aussi j'adore Solar Blessing. Fortress Breaker pour pouvoir jouer un peu plus tank, Deep Roots et Chain Reaction. Wow, J-Wix qui va avec les gros plays. Let's go. Ouais, deux ans qu'il n'y a pas eu de ligue qui aussi. Excuse-nous, man. On fait notre possible, mais il y a du monde qui ont été occupés, faut croire. Mais on s'en reprend là. On fait une autre ligue, on essaie de trouver du monde, puis on va se faire du fun. Bon, il va avec Ensnare, mon Billy Talent. Let's go. Là, je rappelle les personnes qui n'ont pas joué depuis un bout de temps. Oh shit, c'est Moi. Les personnes qui n'ont pas joué depuis un bout de temps à Paladin, Color Eyes, ça n'existe plus. Fait que c'est pour ça que vous voyez ça en ce moment avec plein d'items bizarres. Ça, c'est vraiment cool parce que tout le monde peut utiliser des items qui normalement ne prendraient pas. Fait que c'est. Ça aussi, ça va être une méthode un petit peu à développer. On va voir ce que ça va donner. Oh non, c'est toi qui es beau, moi, boy. En plus, t'as manqué ma face reveal tantôt. Là. Faut que je la remette tantôt, après le match. Ah oui, avec eux, ça nous arrive de jouer en rank, ça devrait arriver de jouer en casual. Mais ça dépend à qui, là. Mettons, G-Wix et Lomias, eux autres, ils jouent vraiment pas souvent. Je pense que c'est la première fois qu'ils jouent en 1 an et demi. Puis, tu sais, on fait vraiment ça pour le fun. Fait qu'on n'est pas. C'est pas une ligue compétitive, vraiment. Là. C'est vraiment juste une ligue pour le fun. Ah, qui c'est qui se connecte pas, là? Qui a des problèmes d'ordi? Il semblait que c'était fini, cette affaire-là. Oh, oh, Marco s'est connecté. Il a pris Résilience. Il a pris le Mimble. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Game on pause. On va voir un match, mesdames et messieurs. Ben, t'as bien raison, Hiker. And so it begins. Oh, ok, fait qu'on va regarder un petit peu la recrue. Impressionne-nous, Milou.
Donc les deux équipes vont aller directement du côté gauche. Et ça a l'air juste d'attaquer en fou. Mais il n'y a pas grand chose qui se passe. Je pense que les deux tanks essayent justement de comme juste poker leur adversaire pour l'instant. C'est même tank qui va devoir s'arculer, va se faire avoir. Oh boy, Tyrona qui passe à travers l'équipe ennemie pour aller chercher la healer. Et là, il y a Buck en arrière qui essaye justement de les pogner par en arrière. Et là, on va peut-être perdre. On perd G-Wix. Et là, est-ce que Bitan va réussir à s'enfuir en plus? Non, il réussit pas à s'enfuir par contre. Il y a fin Saturn qui réussit à faire sa job. Mais là, ils sont juste trois, ils vont devoir peut-être circuler. Mais là, oh, ils sont en train de prendre la vie de Turondin ici, mais le Turondin réussit à partir. On dirait que les rouges, ils se contentent de rester à l'intérieur pour l'instant. On manque un petit peu d'agression, mais je pense qu'on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe aussi. Il faut se rappeler que c'est la première game qu'ils jouent ensemble depuis toujours. Fait qu'il faut essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. Là, c'est sûr qu'on a eu Yagara sur le point pendant tout le long, fait que Yagara a pu le prendre sans problème le point. Les bleus commencent avec le premier point, c'est 1-0. Donc déjà un début, je pense qu'on essaie de voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. C'est juste, on se gage d'un bord et de l'autre. Seven Flame qui finalement utilise de façon offensive son beam, parce que je pense qu'elle a beaucoup de travail sous les bras. Et là on a Billy Talent qui va aller faire le damage en avant. Pas de respect comme on dit. Est-ce qu'il va aller chercher Lemias? Je pense que Lemias est dans l'arbre, oui. Écoute, Ensnare, c'est un peu bizarre comme build, mais ça a l'air de bien fonctionner pour mon cher Billy Talent. Oh mais là on a G-Wix qui a réussi à faire du gros damage sur Billy Talent. Mais pensez à le point avance. Je pense qu'on a un petit peu de problème avec du niveau de IMS OB64 pour garder le point. Et là on a quand même un G-Wix que je viens de comprendre pourquoi il a pris Chain Reaction. C'était clairement pour se battre contre Yagara. Malheureusement pour l'instant ça a pas l'air de fonctionner parce qu'il y a juste trop d'healing. Et on fait un hold déjà. On met une Lipman est parti en volant. Ça avance vite. Oh et ouais, c'est déjà un push. Fait que écoute, comme on avait dit en début de partie, cette équipe-là, ça fait mal. Fait que j'espère qu'ils vont se prendre un peu moins au sérieux dans pas long. Parce que, ou bien peut-être que l'équipe B, non, l'équipe A, pardon, c'est l'équipe A qui est en rouge. Peut-être que l'équipe A va réussir à comme se reprendre. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble pour quand même le laisser un petit break. Oh, I miss OB64. Il y a personne qui sait, qui croit ça. Je peux pas croire que quelqu'un croit ça. Donc, écoutez, déjà le premier point de passé. Expilio qui est déjà rendu à 4 items. Life Rip. Ok. Sur une Niagara. Intéressant. Alors, on va pas aller voir Hugo là. On va aller voir G-Wix. G-Wix, que je pense que c'est la personne qui peut faire la plus grosse différence. Juste avec le damage qu'il peut faire sur les deux tanks de l'autre côté. Parce que c'est simple, les deux tanks qui régissent la game en ce moment de l'autre côté. Donc, on a Hugo qui va. Oh boy. Alors, 0 puis une barre. Non, Billy Talon qui. Et clairement, on voit pourquoi c'est son main. Seven Flame qui... Oh boy. D'accord. On va espérer que c'est pas un bug et c'est juste qu'elle se cache. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a un bug. Je pense qu'il devrait au moins faire une pause pour Seven Flame. Finalement, elle semble avoir des problèmes. Ça, ou elle a déjà abandonné un des deux. Mais pourtant, déjà, il commence à prendre un peu plus d'espace sur le point. Là, c'est juste que malheureusement, les bleus ont comme un gros point de tank qui fait quand même la grosse différence. Tandis que le point de tank du côté des rouges, ben, il vient de se faire manger. Non, c'était effectivement donc Seven Flame qui était offline. Et c'est bien temps qu'on pose la game. Je pense qu'on s'en est rendu compte du côté des bleus, qu'il manquait quelqu'un du côté des rouges. Ça aurait été bien que les rouges s'en rendent compte avant. Mais peut-être qu'ils peuvent pas poser, peut-être qu'ils savent pas comment poser. Écoutez, je vais en profiter pour même si c'est pas tant utile, on va le mettre. Aha! Ouais, pour être beau, on va mettre un majuscule quand même. Ben! Inquiétez-vous pas, on va avoir des meilleurs noms quand la saison va commencer pour vrai. Mais pour l'instant, regardez l'équipe A et l'équipe B. Alors ouais, on vient de prendre le point en fait du côté des bleus pendant ce temps-là. Je pense que les rouges vont avoir de la misère à aller sur le point, mais en fait c'est parce qu'ils n'ont pas assez de firepower pour s'occuper des deux tanks qui sont devant eux. Et en plus il y a un buck qui fait toute la grosse différence en arrière. C'est vrai que j'allais voir un peu
de mal d'en bas. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait le mal d'en bas, mais ça a l'air de bien aller sa game. Parce qu'on est quand même à 12. Une streak de 12 avec 0 death. Ouais. Marco Boubou qui a peut-être pas beaucoup joué de Charlin, mais il, pour l'instant il lit la charge quand même. Moji qui fait de la bonne job avec le Bomb King. Puis en fait, Moji et Bomb King, ça devrait être bon pour s'occuper de Yagarat puis de Khan. Mais je pense qu'ils ont juste pas le temps de faire la job pour l'instant. Ils ont juste trop de choses sous les bras. Ça va prendre. Ils ont besoin de plus de temps, plus d'espace. Ça va être leur tank qu'ils vont pouvoir s'en occuper. Malheureusement, ils ont juste un tank. Donc c'est sûr que ça leur enlève un peu de possibilités. C'est sûr qu'ils ont le meilleur, c'est un peu pour les freiner avec le Grover. Mais je pense pas que c'est assez, malheureusement. Surtout qu'il y a déjà beaucoup de résilience de l'autre bord. Et Tyrondin qui est déjà à résilience 3. Marco Bou qui est à résilience 2. Donc les haches de Grover, pour l'instant, ça paraît de faire grand chose. Et Seven Flame qui a son vie, c'est sûr qu'elle était déconnectée pendant tout le troisième point, le deuxième point. Donc c'est sûr que ça aide pas beaucoup. Elle va sûrement être de retour. Il est fort que les rouges trouvent une solution. Fin Saturne qui a réussi à faire un kill, de même que Karamis Ruby 64. De même que G-Wix. Ah, let's go, on pause. Lâche. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire les rouges. Vous avez eu 2 ans pour vous pratiquer. Let's go. Alors les bleus qui s'avancent sans problème, on regarde un petit peu de mal d'en bas juste parce qu'il nous permet de voir une vue d'ensemble. Pour l'instant, les bleus semblent avancer inexorablement. G-Wix qui arrive, oh, et en même temps on a... Oh oui, fin Saturne qui vient de prendre, aussi, c'est un mauvais play. G-Wix qui va être capable? Non, il est pas capable malheureusement. Il voulait pogner quelqu'un, mais je pense que c'est la même cible que fin Saturne qui a pogné. Oh là, par contre G-Wix va faire un beau play en arrière. Oh, il a failli marquer Marco, mais finalement ça va être correct. Ils l'ont même pas vu de Tyrondin en arrière, fait que là je pense qu'on va tuer la grosse bébite. Finalement on laisse la grosse bébite, on a d'autres problèmes, on veut tuer le mal d'en bas avant tout. On pogne sa streak. Et là on perd Buck ici. Fait que les bleus qui vont se regrouper, fait que les rouges vraiment qui réussissent à reprendre l'avantage. Et là ils vont faire une défense, j'ai hâte de voir comment leur défense va se passer. Oh, G-Wix qui a tout de suite spoté le can. Mais là, là on a Fortex Cube qui a fait la job ici. Malheureusement G-Wix n'a pas pu s'en sortir. Et là on a un beau haut du mal d'en bas pour pouvoir s'assurer de tuer le tank du côté des rouges. Tu sais, une fois qu'il n'y a plus de tank du côté des rouges, ça va mal. C'est pour ça qu'il faut que le tank joue plus défensivement. Je pense pas que c'est ce que H fait présentement. Et on est quand même regroupé du côté des rouges. Oh! Et on a un autre kill de la part de Fin Saturne qui a probablement pris la streak de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire deux autres aussi rapidement. Et là avec celui qui se fait détruire en avant. Pour vrai, mais va réussir à survivre, puis il y a Matt d'en bas qui arrive juste au moment pour la healer. Fait que là, il va pouvoir rester sur le point. Marco Bou qui va s'avancer, qui est quand même offensif en avant. Pour l'instant, il se fait pas vraiment attaquer. Et il va faire son ult. Il va aller en arrière pour essayer de focusser les supports. On perd les Méas, on perd Fin Saturne. Est-ce qu'on va perdre aussi? Est-ce qu'on va perdre Ash? Oh non! Ash qui fait un beau play! Qui va essayer de... Oh, mais... Tyrondin ici qui a fait encore un meilleur pour s'occuper de H. C'est dommage de la part d'H puisqu'il y a quand même un beau play avec 3 stuns qui aurait pu faire vraiment mal parce qu'il y en avait plusieurs qui avaient pas beaucoup de vie. Ils ont réussi à sauver. Puis là, il y a G-Wick qui est en arrière qui décide de pas trop faire quoi que ce soit. Et il va essayer d'attendre que son équipe revienne. Je sais pas s'il va se faire tuer pendant ce moment-là. Et il y a Marco et Billy Tannen qui en avant qui vont faire la job. Ils ont tué de la Méas. Et Méas, malheureusement, qui réussit. Oh shit! Soleil qui. Seven Flame qui est encore disparu, je pense qu'elle a encore été déconnectée. Et c'est malheureusement les bleus qui vont remporter ce match. Écoute, c'est 4-0, mais les rouges ont commencé à reprendre vraiment l'avantage à la fin de la partie. Moi, je pense que ils ont besoin d'une période d'adaptation, mais après ça, ça va aller beaucoup mieux. Ouais, c'était pas si facile que ça. Les pauvres rouges qui se sont fait péter la gueule, mais on a quand même des bons signes qui vont pouvoir peut-être revenir. Oh, le contrôle qui est arrivé. C'est qui ça? Bon, je vais tout de suite me mettre comme en queue pour quelqu'un d'autre. Mettons Tyrondin. Je sais pas s'ils vont faire des changements ou quoi que ce soit.
Garnot, that's right. Donc il va manger de la matéronée. On va attendre. Ouais, bah, c'est beaucoup trop gentil. Écoute. On fait ce qu'on peut. Salut, c'est Common Line. Écoute, on a beaucoup de problèmes de déconnect à soir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de... Je sais pas si c'est Paladin le problème ou bien si c'est la LQP qui est cursed. Ça m'étonnerait pas. Je ne sais plus. T'as une minute, là. Non, on va pas faire ça ici. Fait que j'ai quand même beaucoup été impressionné par les plays de plusieurs personnes. Je m'attendais pas à voir plusieurs des trucs qu'on a vus aujourd'hui. Mettons, G-Wix qui a décidé de revenir sur son Bumpkin. Nice! C'est cool! On a un joueur manette qui est allé sur Moji. Écoute, je pensais pas que c'était tant possible parce que c'est pas tant un hitscan. Fait que c'est cool de voir des trucs comme ça. Tu sais, j'étais habitué de voir des Victor manette, des trucs comme ça. C'est beaucoup plus fun de voir quelque chose comme ça. Wow, on se calme ici. Sinon, ben, en fait, Milou avec sa Yagarat, écoute, jouer le point tank pour une équipe avec qui tu n'as jamais joué. Être point tank, c'est quelqu'un qu'il faut que tu aies beaucoup de coordination avec ton équipe, que tu saches un peu qu'est-ce qui se passe en arrière sans même regarder. Fait que c'est quand même impressionnant déjà de savoir ça, de voir ça. On a Turondin qui a joué très bien de l'autre côté, il a joué son off tank, puis il a protégé toute son équipe au complet, il fait de la bonne pression à gauche. Mais comme j'ai dit, c'est exactement ça qu'il fait Turondin en général, c'est qu'il fait de la... Il aime ça faire de la pression, il aime ça faire du stress en arrière dans la backline, et il a bien réussi à le faire cette fois-ci. Donc je vois qu'on change les équipes. Je vois qu'il y a contrôle qui est arrivé. Donc Pétale, tu dis, je crois que c'était des costumes. C'est pas des costumes, mais c'est pas non plus la LQP. Dans le fond, il y a des équipes, mais c'est des équipes qui sont temporaires pour le moment. On essaie juste de faire comme de la promotion pour la prochaine saison. Voir s'il n'y a pas d'autres mondes qui veulent se rajouter. Puis sinon, ben, on va faire juste une LQP à deux équipes, ça va être ça. Mais tu sais, à trois équipes, ça serait déjà plus le fun. Quatre équipes, c'est encore bien le faire. Mais il semble que, je sais pas, vous regardez ça. Ça pourrait être le fun de jouer un petit peu. Iker, ça tente de venir. Ça tente de venir dans le Discord. Je pense qu'il y a un lien quelque part. Il semble qu'il y avait une façon de mettre un lien. On n'a pas genre une commande. Ça fait longtemps qu'on était sur ce stream-là. Il me semble qu'on avait une commande dans le stream. Si genre quelqu'un peut le faire, genre Turondin ou je sais pas quoi. Là, pour faire apparaître le lien du Discord. Donc ouais, on semble... Ben c'est ça, là il y a Control qui est arrivé, je pense qu'il va aller dans l'équipe A, et il va essayer de faire des changements. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ah ah, merci, fin Saturne. T'as l'air que notre bot s'appelle Jean-Bob. Je sais pas ce qu'il a créé, je pense que c'est... J'étais un peu gêné pour nous. Game up! Bon ben on va aller tout de suite, on va aller voir ça. Spectate. On spectate qui là? Alors, on va y aller avec un nom difficile. Billy Talent 69. Quel nom de loser. Quittez-vous pas, Hugo, je le connais bien. Alors, Hiker, j'ai pas vraiment le temps de te dire comment venir, mais t'as juste à cliquer sur le lien d'aller dans le. Dans le Discord, puis on s'arrangera rendu là à la fin du match. Parce que pour l'instant, j'ai. Comment ça, une cube? Caroline. On va dire de Seven Flame d'abord. Alors, c'est pas une bonne idée depuis tantôt. No, not authorized. Non, c'est pas ça. J'ai pas fait ça. Hein. Ce sera pas long. Je vais m'en occuper. Là, je m'attends à voir tout un match. Parce que là, c'est le premier match, on s'entend. Fallait qu'ils se remettent un peu dedans. Là, ils vont être corrects, ils vont commencer à prendre, puis ils vont faire tout un match. Ah, ok, j'en bats, c'est Jacob. Je pensais que c'était notre bot. Ok, G-Wix qui vient m'aider, merci. Bon, ben, je pense que je vais enlever cette caméra-là. On va savoir tantôt qui êtes-vous. Je suis cute. Je sais même pas c'est quoi la prochaine map. Ready. Tout le monde est ready. Your team's turn. Ice Mines. Ice Mines. OK. Ice Mines, c'est une belle map de 4-3.
Encore une fois, les tanks sont super importants dans ce map-là. La dernière game, c'est un peu les... Ben, les, mettons les bleus, mais l'équipe A, je vais changer ça tantôt. L'équipe A a décidé d'y aller avec un seul tank, et ça a été un peu un problème. Mais je comprends en même temps, parce que dans toutes les games de Paladin, on n'a pas le goût de jouer deux tanks. C'est ça. On veut juste avoir du fun, puis deux tanks, ben... On a des problèmes avec deux tanks. OK? C'est ça le problème. Ça, c'est une chose que j'ai aimé de la saison à 4 joueurs qu'on avait déjà faite. Je pense que c'est la saison 5? 4. La saison 5? 4. La 7 saison-là, là, où on a joué avec des équipes de 4. Oui, OK, c'était un petit peu n'importe quoi, mais c'était le fun de juste avoir un tank dans l'équipe puis que les autres pouvaient jouer autre chose. Parce que moi, les tanks, c'est le fun, mais pas tout le temps. Puis quand il faut avoir deux tanks par équipe... Bon, OK... On va arrêter de parler de ça. On ban Buck. On sait que c'est pour Billy Talon qui a fait mal dernière game. On ban Androxus. Comme je vous dis, c'est pour contrôle. Je pense pas qu'il aurait joué Androxus. Je pense qu'il veut vraiment y aller avec Ying. Mais on verra bien ce qui va arriver. Ensuite, on a banni Mal dans la boss. C'est quand même drôle, ça. Parce que Arimi, oui, OK, elle l'a bien joué dans la game, mais il y a beaucoup de bons healers dans le jeu. Puis c'est, Mal dans la boss, c'est pas nécessairement un main de Arimi. Comment est-ce qu'on fait pour préserver un personnage ou un autre joueur en partie classée? Préserver, j'ai de la misère à comprendre. Genre, attendre pour quelqu'un d'autre? Tu fais juste pas le prendre. Je suis pas certain de comprendre, mais je vais commencer par parler de ça, puis après ça, on en discutera. Donc, Khan qui est pris, c'est excellent dans Iceman, parce qu'il peut faire son hold dès le début du point et pitcher quelqu'un dehors, puis déjà, le point va être très dur à gagner pour l'autre équipe. Donc, Khan qui va peut-être être pour l'Omeas, c'est quand même un de ses bons, comme j'ai dit tout à l'heure. Sinon, il y a plein d'autres personnes qui peuvent le jouer. J'ai l'impression que Fin Saturn, il serait bon sur Khan. OK, bon, on a un Grok. Ça, on sait très bien qu'on me troll en ce moment, là. Ouais, tout le monde sait que je déteste Grok, puis je pense que c'est Arimi qui veut me faire payer ça. On prend une Ray. Ça se peut très bien que ce soit une Ray offensive, parce que je sais que Thurondin et Arimi aiment jouer Ray de façon offensive. Mais tu sais, je dis ça, mais en même temps, on a Milou, que je sais aucune idée qu'est-ce qu'elle va jouer, parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle joue dans la vie. Et Billy Tan 69, ben là, il va prendre Rom, parce qu'il n'a pas le choix, parce que son buck a été pris, fait il va prendre Rom. Fait que je pense pas qu'il va jouer Ray ou Brock, j'ai jamais joué aucun des deux. Marco Bou, il peut surprendre, il déjà m'a surpris avec son Charlin dernière game. Là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre? On a déjà deux healers de l'autre côté. S'il joue 5 healers, là, je call le troll. S'il vous plaît, donnez-moi une game qui a de l'allure. Oh, OK, on y va encore avec Furia. Dernière game, c'est parce qu'ils ont perdu leur main support à deux reprises, je pense. Fait que ça, c'est jamais des bonnes nouvelles. Les problèmes de connexion, on connaît tout ça. Mais je pense que c'est un bon guess. Oh, ça c'est une bonne idée d'aller avec Rom. Y'a-tu quelqu'un qui m'écoute en ce moment? C'est-tu parce qu'ils veulent prendre le Rom de Billy Talent? GG, Billy Talent il est mort. Ben, hâte de voir qu'est-ce qu'il va prendre. Là, on est rendu au deuxième ban. Oh, en fait, y'a un ban qui n'a pas fonctionné. Fait qu'il y a quelqu'un de banni que je sais pas c'est qui. S'il y a quelqu'un qui m'écoute dans la game, j'aimerais savoir c'est qui le deuxième ban. Parce qu'il me manque un ban. Puis là, j'imagine qu'il y a un troisième ban quelque part, puis je sais pas plus c'est qui. Des petits bugs de paladin comme ça. On y va avec Willow. OK. Thurondin, Arimi, ils peuvent les jouer. Et pourquoi je réponds tout un aux autres? Parce que c'est ceux que je connais le mieux, évidemment. Mais... Tyra? C'est Tyra qui était banni? OK, merci. Ah ouais, fait que tu m'écoutes, hein? Tu m'écoutes, G-Wix. Ah ouais, tu m'écoutes parce que... parce que t'es pas dans le game, excuse-moi. C'est bon. Fait que là, t'es en train de dire toutes les stratégies, là. Ben, écoute, Rom, dans votre équipe, je pensais, bon, là, Billy Talent, il est normal. Et là, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le jeu est planté? Non, donc, t'es encore en phase de ban. Your team's turn to ban. Et là, on ban Vivian comme troisième ban du côté des rouges. Donc, on ban Vivian et Tyra. Fait que, on veut comme empêcher Contrôle de jouer quoi que ce soit qui soit un DPS. Sûrement Fin Saturn aussi, ben, pas un DPS, mais un hitscan. Oh shit, est-ce qu'on essaie un V? Non, on va essayer un Vatu? Un Azan? Oh, finalement, on fait juste me troller. Non, je pense que Billy Talent, il cherche quelque chose à jouer. Là. Il connaît pas ces nouveaux joueurs-là, fait qu'il cherche n'importe quoi. Oh, Atlas. Atlas, honnêtement, moi, je l'aime bien. Hein. Je sais pas qui c'est qui pourrait le jouer, mais... Je
pense qu'on cherche un tank de l'autre bord. ouais, il y a vraiment des. Il y a une couple de nouveaux personnages, des beaux edgy boys là. Ok, on va avec Atlas. Atlas, qui c'est qui va bien jouer Atlas? J'ai bien hâte parce que moi je suis un grand fan d'Atlas. Je pense que c'est Marco qui va jouer Atlas. Oh, là on y va avec Satie. Il y a quelqu'un qui a fait ce devoir la première game. Parce que ça a l'air que c'est Fin Saturne qui joue Satie. Et contrôle qui va avec Ying, je l'avais calé. Ah. Ça c'est le bonheur de connaître ses joueurs. On banne Inara. On va essayer de pas qu'il n'y ait pas de bon tank de l'autre bord. Je pense que c'est une bonne idée. En plus, c'est un autre joueur de. Un autre personnage de Billy Talent. On banne tous les personnages de Billy Talent. C'est pas une mauvaise idée, honnêtement. Et on reprend Yagara. Yagara, dans ce map-là, qui pourrait faire vraiment du dommage, puisqu'elle a beaucoup de staying power. Puis dans Ice Pines, c'est bon d'avoir staying power. Et surtout, tu peux pas te faire prendre par l'autre de Khan quand t'es une Yagara. T'es trop grosse. Fait que là, Khan, il va avoir de la misère, en fait, à avoir une cible. Parce que Atlas, il peut faire son F sans problème, puis revenir sur le jeu. Yagara, elle peut pas se faire prendre. Fait qu'ils ont bien contourné le problème du Khan du côté des rouges. Tu sais, oui, ça se peut qu'on perde un support, puis encore une Willow. Willow qui va être joué par Arimi. Mais c'est pas si grave, tandis que si on perd un tank, ben ton attaque est finie en partant. Billy Talent sur Ray. C'est quoi, il voulait me faire mentir, là? Ok, je pensais pas qu'il jouerait Ray, je pensais qu'il jouerait la waifu girl, là, la cat girl. Mais c'est vrai que Billy Talent, c'est un gars de même. Tyrondin qui va sur Grock. Ok, c'est pas Arimi. Je pense que c'est des questions de nouveau, les rouges, puis c'est cool. C'est cool de voir ça. Donc c'est ça que je disais tantôt, Satie sur Fin Saturne, donc elle a vraiment fait leur devoir en bannissant Satie, les rouges, dans la première game. Parce que je pense que ça va être un main de Fin Saturne, même s'il est level 7 avec. Je pense qu'ils vont quand même apprécier d'avoir dans leur équipe. Donc le meilleur sur Khan, AMS sur B64 sur Rum, il semble que je l'avais calé aussi. Hein. Furia, contre... ok, il va vraiment avec des comfort picks du côté des bleus. Écoute, on vient d'avoir une défaite, je pense qu'il est temps de se sentir, il est temps de... vraiment comme y aller à fond en caisse. Fait que je pense qu'ils vont bien faire ça avec ça. Du côté des rouges, on y va clairement avec des personnages qu'on connaît moins. Marco sur Atlas, ça, je m'en doutais. Marco est quand même bon avec Atlas. Arimi sur Willow, c'est pas étonnant. Et Milou, on retourne avec Yagara. J'aime ça voir son Yagara, level 51. J'aimerais ça voir s'il n'y a pas d'autres choses dans son sac. Sûrement qu'on va voir ça en Game 3. Non, c'est ça. C'est vraiment level 7. Ouais. Okay. J'ai peut-être été un peu intense. Finalement, vous m'écoutez tous, hein? Vous voulez tous savoir les strats que je veux dire? Vous voulez tous savoir qu'est-ce que l'autre équipe va prendre? C'est une bonne stratégie. Faites bien. À la guerre, il n'y a pas d'amis. Ouais, ben moi, apparemment qu'à Fin Saturne, son main, c'est Strix. Fait que ça se peut que tu vois du Strix. Sûrement si on pogne Timbermill la prochaine. Mais après moi, ce sera pas Timbermill. Puis je pense pas que ça va être Frogile, parce que Frogile est de moins en moins aimé. Qu'est-ce qu'on a du côté des talents? Évidemment, on a encore Solar Blessing, Subservience. Oh, ça c'est Libman qui joue ça. C'est pas mal le seul gars que je vois jouer Subservience, mais c'est quand même cool. Qui essaie des affaires nouvelles de même. Leon Shield, qui okay, on essaie ça du côté de la Méas. Windows of Opportunity, Focusing Lens. Ça, il va jouer son off-healer un peu. Déjà vu. Extension, ok, ça c'est quand même drôle parce que il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas super bon extension parce que ça fait que ton heal revient moins souvent. Persistence, Scorn et Maelstrom. Il veut pas jouer Grock Healer? What the fuck? Voyons voir ce qui va se passer. On va voir un petit peu de contrôle parce que je suis dessus. Oh boy. Déjà on s'attaque un peu, on sait pas trop. La garde va aller directement sur le point, elle va essayer de survivre là. Billy Talon qui va essayer d'healer. Écoute, j'ai jamais vu Billy Talon vraiment healer dans la vie, mais on va voir ce que ça va donner. Là il y a Rom qui est de l'autre côté, là, c'est le poignet. Bon mais Rom il est mort. Rom qui s'est attaqué un peu trop offensivement à l'équipe en avant. Il y a Control qui fait quand même pas mal de dommages. Mais là on va devoir se reculer, on a perdu Fin Saturne aussi. Le meilleur ski. Oh le meilleur ski. Ah il manque le beam de Furia. Malheureusement, il va devoir se reculer. On s'est la débandade du côté des bleus, on va se voir vraiment circuler et revenir en arrière. Mais du côté des rouges, on est quand même. On respecte un peu les bleus là. On sait que contrôle est là, on sait que Sunflame est là, fait qu'on avance pas trop. Oh! Et là, il y a Marco qui a failli crever en quelques shots.
pas ça que je veux. Non, c'est pas ça que je veux non plus. Ah, ça va être bon ça. Et l'équipe A qui réussit à capturer. C'est pas l'équipe A, je vais devoir changer ça. Hey boy! Lidman qui s'est précipité dans le tas, qui a essayé de faire quelque chose. Je pense qu'il a essayé d'aller sur le point rapidement, ça n'a pas fonctionné. Fait que malheureusement, il vient de perdre sa vie pour ça. Ça fait que les Blues sont un petit peu en difficulté. Et là, le meilleur, c'est qu'il réussit à garder le fort pendant ce temps-là, à garder un petit peu de temps. Il réussit à circuler aussi exactement au bon moment. Je pense qu'on va faire un haut du côté de contrôle dans pas long. Pour l'instant, on s'attaque à la grosse madame. Et effectivement, le haut s'en vient, ça va aider. Oh, mais là, par contre, on va perdre le meilleur, ce qui va se faire bouffer par la Yagara. Je pense pas que quelqu'un va pouvoir tuer Yagara d'ici là. Bon, petit rondin qui va avec ses petites boules partout, là, ça tue Seven Flame. Là, c'est. Ça commence à bien aller du côté des bleus. Des rouges, pardon. Là, faudrait que le meilleur. Que Bidman circule. Ça, c'est rien qui reste là. Mais au moins, il s'y pendant ce temps-là. Il fait quand même son subservience, il utilise ça. Et il fait son. Oh, oh, il fait un beau flic. Mais malheureusement, ça va pas servir à grand chose. Et il fonce dans le tas. Et boy, Lidman est offensif. Lidman, c'est un homme en mission. Oh, il s'en retourne un petit peu en arrière. Oh, mais ça va faire peut-être mal parce que là, il y a Fin Saturne aussi qui est là. Il vient d'avoir le healer avec ça. Il vient d'avoir Billy Talent. Je vais avoir Fin Saturne. Damn, allez-y, Fin Saturne. Ah, Rimi, par contre, vient de faire un double kill. Et Fin Saturne qui a décidé de pas continuer avec son flank, de reculer. Et là, les rouges sont encore un avantage. C'est même film qui va se faire culer. Oh, et là, Meas qui a failli crever à cause de ça. Un beau rewind de la part de Marco. Et là, il a fait sa tour. Oh, qui reste en vie malgré tout. Et je peux plus. Il semble que le Meas il est mort rapidement là-dessus. J'ai pas vu qu'est-ce qui est arrivé. Et on a encore Rom qui court un peu partout. Pas ça, je veux. Excusez, je cherche les personnes qui sont plus bas. Je vais me réhabituer au piton. Et Saturne qui, oh, qui pour l'instant fait le clean-up en arrière. Je pense qu'il va pouvoir flanker dans ce game-là. Il va s'occuper encore du support. Il y a quelqu'un derrière lui, je pense qu'il l'a peut-être pas vu. Ah oh, mais non, la personne est partie. Ah, c'était Willow, je pense. Là, je pense que Willow va être dans l'air dans pas long, mais il l'a pas vu encore, mais... Ça s'en vient, hein? Willow aura une surprise. Oh, Willow, elle a réussi à s'enfuir. Non, il réussit pas à s'enfuir. Le contrôle qui est là pour prendre le slack. Fait que les bleus qui réussissent à comme, se ressaisir, puis à un bon moment, parce que là, il reste seulement 10 secondes au push. Fait que je pense pas que les rouges vont être capables de revenir. Il y a Garat qui arrive en vitesse. On vient de perdre Grok. Malheureusement, les deux tanks étaient loin en arrière, fait qu'ils n'ont pas réussi. Fait que c'est 1-1. C'est quand même un bon début pour cette partie. L'équipe A qui démontre de la résilience. On rappelle qu'ils ont perdu la première partie, mais qui semble comme se reprendre dans la deuxième. Oh, oh, c'est quoi ces scores-là? Là? J'ai rien mis comme score. Ben, lui-même. X-Minute qui va être exactement avec le même système que la game d'auparavant. Ah, mais du Delt. Ouais, c'est ça. Fin Saturn et Control font beaucoup de jobs en ce moment. Oh, il y a X-Minute qui en fait aussi pas mal avec sa Yagara. Et Billy Talon qui semble s'en sortir avec sa Ray. Ah, peut lui changer. Et là, c'est Grok qui vient sauver sa Ray. C'est un beau jeu de la part de Grok parce que je pense qu'il arrive vraiment de la difficulté sans leur Ray, les bleus. Les rouges. Oh et non! Là par contre on a Milou, mais bon, là il y a eu du bon focus fire qui s'est fait là. Ils vont peut-être même perdre Milou pour ça. Non! Milou vient de se faire healer par Billy Talon. Billy Talon qui a jamais joué Ray, mais ça a l'air de fonctionner pour lui. Et on vient de perdre Seven Flame. On va devoir se reculer, je pense qu'on n'a pas grand chance de faire quoi que ce soit ici. On a un gros combat. Oh! Et on a le Meas qui fait un beau hold ici. Malheureusement trop tard. Mais écoute, c'est encore plus proche que le point d'avant, fait que je pense que les bleus commencent à trouver quelque chose. Peut-être un peu de dynamique. Un peu de chimie, comme on dit. Ah ouais, grosse madame. Grosse madame qui a juste décidé de se mettre sur le point et de jeter de la lave. De l'acide. Ça a l'air de fonctionner pour elle.
Et ça rebondit partout des affaires. Et on fait un autre hold de la part de Grok. C'est dégueulasse, Grok. Ah, les rouges qui pour l'instant ils sont pas capables de faire une. Comme ils sont pas capables de se garder en vie. Il y a Marco qui s'avance et qui fait assez mal, merci. Mais là par contre les bleus ils se sont bien repris. Ils sont en bonne position pour essayer de garder le point parce que là ils sont regroupés en fait. Ils sont attendus un petit peu. Oh, j'ai hâte de voir ce que. Oh, non. Il est où? Ah là. On a un beau petit plan en arrière. Je pense qu'on va perdre la Rémi du côté des rouges. Non, elle va réussir à s'enfuir. On va regarder juste un petit peu ce play-là. Oh. C'est peut-être quelque chose qui va aider là, du côté des bleus. Je pense qu'on va être obligé de reculer. Hein. Ouais. Les bleus qui font bien ça. Et là, on va staggerer un petit peu Marco. Contrôle ou elle staggerer en tout cas, mais ça a l'air que finalement, il est mort pareil. Les rouges qui vont revenir le plus rapidement qu'ils peuvent. Et c'est ça qui va aller en déstabiliser quelques-uns pour l'instant là. Dismount peut-être. Voilà les rouges qui reviennent. Ils vont retenter une attaque. Et on refait un hold du côté de. Eh hey, oula madame. C'est encore un round qu'on va pogner. Oh! Et juste à temps. Juste à temps, ils ont réussi à tuer X-Milou. Ben à détruire le hold de X-Milou. Et à cause de ça, Deadman peut revenir dans son équipe. Au beat de la part de Seven Flame. Là, on semble garder l'équipe rouge loin. Mais y a-t-il quelqu'un qui tente de faire un back 4? Ils sont 4 en avant. Ah non, pas de back 4. Par contre, X-Milou va réussir à les toucher. Ça va réussir à prolonger l'overtime, mais malheureusement, les rouges sont trop loin. Je pense pas que X-Milou va réussir. Quoi que ça avance, là. Ça avance. Faut qu'il se rende au plus vite possible. Ok. Il y a Seven Flame qui s'est rendu juste à temps, mais oh, ça a été quand même stressant. Parce qu'en fait, les man s'est mis à tirer, mais avant d'être sur le point. Et quand que Rom tire, ben, il peut plus aller bien vite. Donc c'est 2-2, ce qui est pas trop étonnant dans une map comme ça. Prends une petite gorge d'eau. Capture point spawning in 15 seconds. Yum. Ok. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les rouges vont manigancer. Non, je m'en fous. Je m'en fous ce que les rouges vont faire. Je veux voir ce que les bleus vont réussir à faire. Ah ouais, ça me fait. Montre-moi quelque chose. Je m'attends à un hold très rapide. Faut au moins faire un pic du côté des bleus. S'ils sont capables de pogner. Les tanks, ça va être dur, mais s'ils peuvent pogner au moins comme Arimi ou quelque chose comme ça, ça va faire très mal. On va aller voir un petit peu comme. Qu'est-ce qui se passe là? Les man qui est encore allé en arrière et essayer de faire. Juste faire un petit peu de pression. Oh, il a un bord de Lipman! Oh, wow! Ok, bon, là, les bleus, les rouges n'ont pas eu grand chance là. Le hold de Fury qui est rentré avec le hold de Lipman qui a tout eu, puis je pense qu'ils ont fait tout leur hold en même temps. J'ai pas vu exactement. Il y a Sati qui a fait son ult aussi en même temps. Une belle séquence côté des bleus qui démontre beaucoup de synchronisme et de chimie. Je pense qu'il y a quelque chose qui se développe. Les rouges vont essayer de revenir et je pense qu'il y a au moins Yagrat qui va réussir à se rendre. On va peut-être perdre le damager par contre. Le support, pardon. Oh, et là on va peut-être perdre. On a failli perdre contrôle, mais il y avait une chance qu'il y avait un bon clone quelque part. Et là on va. Je pense qu'on ne durera pas longtemps du côté de Yagrat. Les bleus qui vont les rouges qui vont devoir s'avancer. Mais avec un tank en moins, ça va être beaucoup plus dur. Et là, on va perdre quelqu'un d'autre. Non! Il y a le meilleur qui manque son ult. Et là, on vient de perdre Arimi également. Mais là, les rouges ont repris un peu de l'avantage. C'est vraiment une bataille chaudement disputée. Là. On a 4 bleus qui restent. On vient de perdre un autre bleu, mais il y a un autre rouge qui arrive. Et non! Grok n'a pas réussi à se rendre à temps. Et ni la Yagrat. Fait que finalement, c'est les bleus qui vont prendre le contrôle. Oh, il a un ult un peu. Je sais pas si c'était un misclic, quelque chose comme ça, mais à 1 contre 4, ça pardonne pas. Donc les bleus qui réussissent à faire un premier pic. Un premier point. Oh, et là, les bandes qui viennent se faire avoir cette bande là-dessus par Marco. C'est vrai que.
Atlas, c'est vraiment un bon counter around pour ça. Des deux côtés, j'avais pas marqué, on a deux supports et deux tanks. Fait que c'est sûr qu'on a deux compositions qui sont très, comme, je dirais très défensives, mais en même temps, les deux, les, tous les supports sont très offensifs en ce moment, cette partie-là. Oh. On fait les holds du côté des bleus, là. On veut vraiment essayer de pousser, mais on fait aussi ceux du côté des rouges. Ça semble être un boost thermite en ce moment. Ok, on utilise vraiment tout ce qu'on a. On veut que ça fonctionne. Le meilleur, ce qui va peut-être se faire manger. Le meilleur, ce qui s'est fait manger. Marco Wu qui essaye de sauver son, son équipe. Et je pense que les bleus vont devoir reculer après ça parce qu'il ne reste plus beaucoup de bleus présentement. Même qu'il devrait peut-être mourir tout de suite parce que là, les man va juste se faire stagger solidement. Voilà les man qui meurent. Donc là, les bleus vont être obligés de l'attendre. Les bleus qui s'attendent, qui attendent encore un peu, mais là il manque les man. Ils vont quand même essayer d'avancer. Un peu basé. On a les. Malheureusement, les. Oh, le contrôle qui est mort là-dessus. Mais les beams de Furia sont comme un peu annulés par la Willow présentement. C'est un peu dommage. Et là, je pense qu'on va avoir les man qui va jouer, qui va aller directement en tête. Non, ils décident d'attendre un peu finalement. Sage. Je pense que c'était une bonne idée. De l'autre côté, on a 7 Flame et Lemias qui s'avance, avec contrôle également. Malheureusement, il commence à avoir beaucoup de Colorize. On se souvient que le Colorize, maintenant, il est appliqué de façon. Il avance à mesure que le match avance. Donc là, en ce moment, on est à 13 minutes, fait qu'il va commencer à être quand même haut de Colorize. Donc on a une belle défense de la part de l'équipe B. Et les Bleus qui ont vraiment essayé plusieurs choses pour essayer de rentrer, ils ont essayé de passer par la gauche, par la droite. De tout rentrer en même temps, ils ont juste pas réussi à passer le point. Ils ont failli par contre réussir à un moment donné. Mais il y a Marco qui est arrivé avec son hold qui a quand même sauvé un peu la situation. Ouais, Billy Talent, comme tu dis, moi, pas impressionné, hein. 92 000. Pas d'allure. 48 000 de damage. Eh. Oh, la Yagarat qui a un peu plus de difficulté dans ce point-ci. Je pense qu'on a commencé à trouver des solutions du côté des bleus pour la Yagarat. Qu'est-ce qu'on va faire du côté des bleus? On peut avoir un petit peu de tirondin, même si ça va être plat. Parce que c'est du groc. Mais ça, il se passe pas grand-chose, on reste un peu loin. Mais oh boy, là on vient d'avoir un bois. Ah, mais c'est ça, c'est sur un Atlas, fait qu'on peut revenir en arrière. Malheureusement, le meilleur devrait choisir un peu mieux ses targets. Là, on a un hold. Oh, qui a réussi juste assez, mais sur la pointe des pieds, comme on dirait, pour faire quelque chose. Puis même là, je pense qu'il y avait de la résilience. Non, pas de résilience. C'était beaucoup moins long que j'aurais cru. Là, les bleus qui ont bien tenté de faire exactement la même chose qu'ils ont fait auparavant, mais ça n'a pas fonctionné. Là, ils sont obligés de reculer. Les man qui retournent à la course. Et là, je pense qu'on a. On a Furia qui est en difficulté. Est-ce qu'il va réussir à survivre? Il va réussir à survivre. Il faut que les man aille sur le point, il n'y a pas le choix. Mais je pense qu'il n'y aura même pas le temps de se rendre. Non, il s'est fait rewinder. Donc une partie plus chaudement disputée cette fois-ci. Mais c'est les rouges qui remportent malgré tout la partie. Ouais, une fin qui aurait pu arriver vraiment de chaque côté. Je pense que les bleus ont essayé de faire exactement la même chose que la. Que celle d'avant, mais peut-être un peu moins bien synchronisée. Ou peut-être que les rouges étaient un peu plus prêts à voir ce qui allait se passer. Si le meilleur avait réussi son kill, ça aurait certainement mieux été. Malheureusement, ça a juste pas fonctionné. Peut-être que si le meilleur avait comme été à droite à la place, puis qu'il aurait pitché comme Atlas vers le bas, là, Atlas aurait rien pu faire. Mais bon, ça arrive, c'est quand même une belle tentative du côté de l'équipe A. Attends, on va remettre ça parce que t'sais... Un excellent match. C'est ça qu'on veut. On va voir plus de ça. Là, je sais pas s'il va se passer des trucs. Oh, on a eu des GG. Je pense que c'est bien mérité. C'est une belle game. Là, on va sûrement faire quelques petits changements. Petits changements dans les équipes. J'espère que vous avez continué. Ça fait juste. Ça fait combien? Deux games? Ça fait deux games. On avait dit au moins trois games. Faites-en jusqu'à ce que vous soyez tanné.
C'est une game d'exhibition. Je pense qu'il n'y en a pas assez qui ont démontré ce qu'ils sont capables de faire. Let's go. Est-ce que Jacob va remplacer quelqu'un? Sûrement qu'il va revenir dans l'équipe A. J'ai dit Jacob, pardon. Je voulais dire G-Wix. Ouais, comme Turondin dit, ils vont arrêter quand ils vont être tannés. Honnêtement, quand... ça c'est tout le temps ce qui est difficile. Quand t'es tanné, c'est souvent parce que... Non, ce que je veux dire, c'est quand tu perds, c'est... ça te tanne plus rapidement que quand tu gagnes. Fait que j'espère que l'équipe A vont redoubler de résilience. Et bon... revenir encore plus fort à la prochaine game. J'espère pour eux, parce qu'ils ont vraiment montré des belles attitudes dans cette partie-ci. Tu commences à me demander si Milou c'est un one-trick pony. Je vais voir quelque chose d'autre. On a vu un petit peu de trucs différents de la part de l'équipe B. L'équipe A, on va voir ce qu'ils vont nous donner. Déjà, j'ai vu le meilleur ce que jouait autre chose que Khan, fait que je suis quand même impressionné. Il jouait Grover. C'est cool. J'aimerais savoir un petit peu de différence. J'aimerais savoir Lidman sur un rôle plus offensif, juste pour voir. Est-ce qu'on va voir contrôle sur un DPS, sur un hitscan, peut-être? Qu'est-ce qu'il ne pourra pas jouer? Il faudrait peut-être que je vais mettre en spectate pendant ce temps-là. Hein? Ça serait logique. On va se mettre comme spectate. Qui c'est qu'on va spectate? On va spectate G-Wix. Parce que son nom, il est court puis il est facile à faire. Comment on fait pour vous rejoindre? C'est ça, il y avait un Discord qui a été mis tout à l'heure par Jean-Claude, Jean-René, Jean quelque chose, G-Wix, Jean-Bob. Fait que je peux vous aider à vous rejoindre sur Discord. C'est pas mal de là qu'on gère nos trucs. Ça se peut que tu m'aies répondu, mais là j'ai un petit peu d'autre chose à faire pour l'instant avant de checker ça, mais je pourrais checker après le match au pire. Jaguar. On va dans Jaguar Falls. On va dans un petit classique. Qu'est-ce que je m'attends pour cette game-là? Je m'attends à un tank pour l'équipe B. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit qu'ils vont jouer à un tank. Pour l'équipe A, je m'attends encore à ce qu'ils sortent toute leur main, toute leur comfort pick. Il faut qu'ils fassent ça parce qu'ils jouent pas ensemble depuis longtemps. Ils viennent de commencer à jouer ensemble. Il faut qu'ils essaient de quoi. Tandis que l'équipe B, oui, il y a Milou qui est moins habitué à être avec eux. Mais autrement, les autres, ils tentent de jouer avec Arimi et Turondin la saison passée. Marco Bou, il joue pas mal de soirs avec Arimi et Turondin. Puis Arimi et Turondin, ils jouent tout le temps ensemble. Fait que c'est sûr que la chimie est là. Mais comme on a vu, ça s'en vient du côté de l'équipe A. La game est faite. T'es en train de te préparer. Ah, ok, je viens de voir ton message, Iker. C'est ça, en ce moment, c'est juste un match d'exhibition. Fait que c'est pas... pour l'instant, on n'accepte pas de nouveaux arrivages. Mais pour les prochaines fois, clairement, si tu veux rentrer dans la LQP... Attends, je vais te rentrer d'ailleurs dans la LQP tout de suite. Mais si tu veux te joindre à nous pour la LQP, pour la Ligue, tu pourras checker les règles, tout ça, si ça t'intéresse. Écoute, libre à toi. Mais c'est pour ce soir, ça va. On va attendre pour le moment. On va regarder ces équipes-là. Déjà, il faut qu'ils trouvent la chimie, il faut qu'ils jouent ensemble. Des exhibitionnistes. T'es pas tout seul, man. Mais c'est bon. Fait que, ouais, pour l'instant, on garde juste ceux-là. Puis on va voir ce qui va arriver pour les prochaines fois. T'sais, normalement, le but de la LQP, c'est d'avoir un match par. Ça dépend des nombres d'équipes. Mais si on veut avoir comme. Un match par deux semaines pour une équipe. C'est pour ça que l'année passée, dans la dernière saison, je pense qu'on avait 5 équipes. Fait qu'on avait comme un match aux deux semaines. Puis ça aidait justement pour que le monde
il soit pas trop fatigué de la LQP. Ce qui était comme un bon. Puis, parce qu'on a eu des problèmes avec ça dans les années précédentes. On faisait comme un match par équipe par semaine, ce qui était assez extrême. Mais là, on a comme ralenti ça un peu, puis on voit que ça aide beaucoup plus. Hey, il y a du ban qui se fait, hein? Il faudrait peut-être que je change un peu mon écran. Ok, fait qu'on part pour la game 3. Pour l'instant, l'équipe B qui est en rouge ici a 2 points contre l'équipe A qui en a 0, mais déjà on a de l'amélioration du côté des bleus. Alors on ban Niagarath parce qu'on veut voir Milou jouer autre chose, puis parce que son damage output était quand même assez impressionnant dans la dernière game. Puis on voit aussi qu'elle sait bien jouer le point, elle sait bien jouer les bonnes stratégies pour aller comme chercher le point au bon moment. Fait qu'on va voir si elle peut pas faire autre chose, puis son ult aussi a été vraiment instrumental. Surtout dans une map comme dans Ice Pine, c'est sûr que c'est super important le hold de Niagarath. Là, on banne Sati du côté des rouges parce qu'on veut voir Fin Sati jouer autre chose. Je pense qu'on est écœuré de voir Sati aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on veut plus dealer avec. On rebanne Maldamba, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un truc comme de compétition. Peut-être que Maldamba il est vraiment fort en ce moment, puis on ne sait pas. C'est possible. Pour l'instant, comme je disais, la compétition. Comme il n'y a plus vraiment de PPL, je ne regarde plus vraiment ça parce qu'il n'y a plus grand chose à regarder. Fait qu'il faut jouer en compétition au niveau assez élevé pour pouvoir comme voir ces affaires-là. Puis ça m'arrive pas. J'aime pas ça la compétition. Mais pas vrai. J'aime ça la compétition dans les tournois. J'aime pas ça le mode compétitif. Fait qu'on reprend ROM du côté des bleus. Fait que cette fois-ci, sûrement encore pour IMSOB64, Libman, comme je l'appelle. Parce que ça a très bien été dans la game, il était très offensif, ce qui est pas tant bon dans la map de Ice Pines par contre, mais ici je pense que dans le Geographer ça va vraiment aider. On va voir ce qu'il va donner, puis on sait qu'il est très à l'aise avec lui. On a encore un ban qui nous manque. Du côté des rouges, donc on prend Ruckus et Corvus. Ok, intéressant. Corvus, c'est pas un healer qu'on voit beaucoup ces temps-ci, il a un peu diminué dans la grâce du bon monde. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on est capable de faire avec. Ruckus, qui ont aussi un half-tank assez, qui peut être assez exceptionnel. Il a tout le temps été utile dans chaque itération de la LQP et de la PPL. Il est tout le temps comme un petit choice pick qui arrive de nulle part. Il n'a jamais été mauvais, il n'a jamais été bon. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est tout le temps une bonne option malgré tout. On le voit avec une Ceres. Est-ce que... Non, j'allais dire... Oui, Seven Flame est encore là. Est-ce que c'est Seven Flame qui veut s'essayer avec Ceres? Ou est-ce que c'est... Libman qui veut y aller avec une flank Ceres. Et un dredge. Qui c'est qui joue dredge? Est-ce que c'est Fin Saturne qui veut nous montrer ses skills? Ça se peut bien. Parce que honnêtement, je vois pas qui c'est qui joue dredge. Alors on banne. Non, on banne pas de suite, c'est vrai. Il y a Marco avant qu'il doit prendre son personnage. Là, mettons qu'on dit que Turondin c'est pour. Je veux dire, Ruckus c'est pour Turondin et Corvus pour Raimi. Sky. Est-ce que c'est un Sky Healer? Ce serait pas étonnant venant cette équipe-là. Donc, on va bannir un personnage du côté des rouges. Encore une fois, je sais pas c'est qui le deuxième ban. Je vais me dire que c'est Tyra. Peut-être que la raison pour qu'il avait banni Tyra les deux premières fois, c'était à cause. Non, parce que la première fois c'était l'autre équipe qui avait banni Tyra. Mais c'est deux fois qu'elle a été bannie. Là, on banne Cassie. Ok. Je sais pas trop c'est quoi leur plan. Mais Cassie est tout le temps bonne. Fait que c'est sûr que c'est bien de la bannir. Je trouve ça drôle qu'on n'ait pas encore banni Eevee, puis Tyrone l'a pas encore pris. Peut-être parce qu'il dit que ça vaut peut-être pas la peine. On n'a pas de bot non plus. Pas le bot qui a été banni. Oh oh oh, on manque de bonus time. Ouf, on ban Khan. Ah oui, cette game-ci, c'est Lemieux qui est pas dans la game. Lemieux qui prend un break bien mérité. Andrew qui serait pas ban. Ouais, mais c'est ça, je pense pas qu'il va jouer Andrew control. Je pense qu'il disait qu'il voulait juste jouer support. Mais ça se peut que devant l'adversité, il décide de prendre un Andrew. On verra bien. Octavia, ok, je voulais voir ça. Octavia, est-ce que c'est pour Billy Talent? Est-ce qu'elle essaye tous les nouveaux personnages que j'ai jamais essayé auparavant? Ça se peut. Donc, H pour. Donc, une H pour le tank. Ça va être pour qui? Je sais pas. Il y a trois personnages de Libman là-dedans. Je sais pas, ça va être pour qui.
contrôle avec Yann, il lui faut quand même un bon hitscan. Je pense qu'il ira pas healer cette fois-ci. Il ira pas support, il va y aller avec sa Yann. Surtout que Andrew en sa place aurait été bien, il est bon à Grover Falls. Grover! Ah, mais t'as pas encore vu V, puis Batu, puis quel autre nouveau personnage qu'il y a? Ah, pas mal ça, je pense. Depuis que t'as joué. Milou qui va sortir le Grover, je sais pas si c'est pour elle ou pour quelqu'un d'autre. On n'a pas l'air sûr. Est-ce qu'on sort un Koga? Je vais voir un Koga. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Koga. Il y a G-Wix qui jouait Koga pendant un méchant bout de temps. G-Wix que j'aimerais ça avoir joué Flank. Il a commencé à vraiment démontrer des habiletés pour jouer Flank. Ah, on va avec Moji. Moji, ok. Corvus. Ah, oh, ça fait un petit bout de Corvus quand même. Ah, t'as pas encore vu Azan, c'est vrai? Ils ont pas mis Azan. Apparemment, il y en a un qui va le sortir à un moment donné. Bon, c'est quoi ces personnages-là? Billy Talon sur Corvus. Bon, ben, il y a encore quelqu'un de nouveau. Marco Bou qui va jouer Octavia, quelque chose de nouveau pour lui. Moji pour Arimi. Turondin sur Ruckus. Le seul tank, fait comme j'avais dit, il a joué un seul tank et il joue de façon offensive. Hey, ça va bien à toi, je réponds tout. Là, on a deux tanks du côté des bleus. Ouh, il va y avoir de la pression qui va se donner du côté des rouges. Milou qui va jouer Sky, intéressant. Avec beaucoup de pression. Maintenant, si les Bleus sont capables de comme de gérer ce stress-là, de gérer cette pression-là, ils ont des bonnes chances de gagner. Octavia, c'est un peu étrange par contre cette composition-là. Faut qu'il reste en arrière. C'est pas un sniper, mais c'est presque un sniper. Ça se peut qu'elle se fasse comme foncer dessus par Rom. Oh, cette fois-ci, Seven Flame sur Ash. Comme j'avais dit, c'était pas mal un autre des mains de Seven Flame. C'est G-Wix qui va aller sur Ceres. Ceres Healer. Étonnant. Étonnant. On essaie des trucs. J'aime ça qu'on essaie des trucs. Ça démontre qu'on a du fun. Oui, je sors des étages de mon derrière. Ouais, donc c'est effectivement fin Saturn sur Dredge qui veut me montrer que les joueurs manettes, ça joue autre chose que des hitscans. Donc bon, on sent qu'il y a de la misère. Étrange. On verra bien ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dark Gift, de part de Billy Talent, c'est quelqu'un qui sait clairement pas comment jouer Corvus. Mais écoute, vas-y mon Billy. Vas-y, Hugo. Boom, boom. Where are you? Scuttle. Scuttle. Ouh. On y va avec du spam solide. Fortress Breaker pour Ash. Alacrity pour Control. Est-ce que Control sait qu'Alacrity a été nerfé énormément? Je pense qu'il va l'apprendre rapidement. Debilitate pour Milou. Asymmetric Warfare, honnêtement, c'est long comme nom. Pas les noms que je vois souvent. Ah, le Distortion Field fait mal. Flux Generator, ok. C'est quelque chose que je sais que tout le monde voulait essayer. C'est cool. Mortal Reach. Game paused. Ok, finalement, Control a vu que ça a changé avec la prééminence. Bon point. Bon point, Control. Mortal Reach pour G-Wix. Honnêtement, Mortal Reach dans cette map-là, pas convaincu. Mais, peut-être que G-Wix va me montrer le contraire. Parce que le 300% de range sert à rien, fait que c'est seulement pour healer un peu plus. Ce qui est correct, c'est bon, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de survivability, surtout contre autant de flanks que ça. Je pense que tu aurais besoin de Soul Collector. Ah, mais ça c'est clairement Will qui parle. Parce qu'il aime bien sa Ceres. Mais si G-Wix veut jouer Ceres de même... qui y aille.
Ah, oh, puis il prend même pas Nimble. Aerial Assault pour Tyrondin. Qui va être vos casters pour cette saison 7. Écoute, moi, si ça te tente, let's go. Parce que là, il y a moi. Puis peut-être Tyrondin. Ah, c'est Lidman qui est crashé. On garde Dark Gift du côté de Corvus. Je sais pas s'il va le garder sur une personne. Oh oh oh! On pause. On a Lidman qui est revenu. On a encore 27 secondes pour se jaser, écoutez. Oh, moi qui veut nous aider. Ah ben là, je crois que je t'ai maintenant équipé. Ah, ça veut dire. Hey, je vais te mettre dans les anciens, moi, parce que t'avais disparu de la carte. Là. Faut que je te remette dans les chevaliers. Non, même pas dans les chevaliers, faut que je te mette dans les mods. Dans les seigneurs. Tu me fais faire de la job. Let's go! On commence ce match-là. On va aller voir un petit peu ce que duel est capable de faire. Là, ça va être vraiment comment est-ce qu'ils vont dealer avec les flanks du côté des bleus. C'est comme ça qu'on va savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Oh, mais les bleus qui jouent pas de façon offensive, qui restent en arrière. Là, on voit Emilio qui arrive un petit peu vers la gauche. Mais c'est sûr qu'il va se déplacer à l'autre bout du monde. Peut-être un peu trop loin. Les Rump qui a failli mourir là. Oh, est-ce qu'il va rester en vie? Non, il est pas resté en vie, mais par contre, Emilio va perdre sa vie pour ça aussi. Puis de l'autre côté, on a perdu Arine aussi. Fait que là, on a perdu deux des flingues du côté des rouges. Mais étonnamment, ils ont pas été très offensifs là-dessus. Là, on vient de perdre contrôle, par contre, qui a été un petit peu trop offensif. Marco Bou qui a bien fait, il a tué contrôle très rapidement. Et Diris qui joue la toune. On va essayer de l'éviter le plus possible. Là, on arrive par la gauche. Le Tyrondin qui est allé juste toucher. On va voir un petit peu ce que Tyrondin est capable de faire ici. Bon, finalement, ça va être Milou qui va nous offrir une petite vue d'ensemble. Tyrondin qui essaie de rester le plus longtemps en vie possible. Il va les retoucher. Il a réussi à... Oh! On a tout vu ça. Bon, finalement, les Bleus qui prennent le contrôle, mais il n'y a personne sur le point. Il y a Jiru qui va revenir. Et l'équipe B qui va capturer ce point. Non, c'est pas l'équipe B, c'est l'équipe A. Et il commence même pas gérer encore ce problème-là. C'est un vieux problème qui date de vraiment longtemps. Arrivé qui va perdre sa vie ici, qui a vraiment essayé un play un peu extrême. Oh, déjà un hold de la part d'Octavia. Un hold qui va faire mal. Ouf, on est reparti. Tyrondin qui va aller voir en arrière, qui va essayer de tuer le Grudge. Je pense que le Grudge fait beaucoup de dommages pour faire autant de pression. Non, il y a le Grom qui est arrivé en arrière. Et malheureusement, il y a beaucoup de guerriers qui se passent, hein? Je pense que les rouges ont hâte que le Carrite embarque. C'est sûr que J-Wix fait de la bonne job en ce moment avec son talent. Mais c'est ça, si les rouges réussissent à survivre un petit peu, c'est là le plan semble avoir changé. Là. Au début, il fallait qu'il aille rapidement dans le tas. Maintenant, il va falloir qu'il survive le plus longtemps possible pour que le Carrite embarque. Il n'y a pas vraiment le choix. Il semble y aller vers une stratégie un petit peu différente. Là, dans le fond, on a... Oh, Tyrondin qui va avec le gros wall, si j'étais capable de le trouver assez rapidement. Les trouver trop tard, évidemment. Mais avant ça, le contrôle a fait un bon wipe. Oh boy, il continue à faire son wipe. Je pense que Tyrondin va devoir essayer de s'enfuir. M'excuse, tu contrôles tout manqué tes beaux plays, là. On va essayer de te retrouver, là. Ah, t'es là. Oh, un beau wall de G-Wix. Oh! Mais encore un plus beau, t'as encore des Milou et une belle bulle d'Octavia, de Marco. On va probablement sauver quelqu'un parce que je suis pas sûr que l'Horde de Dewey ça va faire du dommage. Arémi qui vient d'avoir contrôle, ça va être un gros pic. Je pense que les rouges vont réussir à survivre à ça. Puis ce qui est vraiment du côté des rouges, c'est qu'ils ont beaucoup de surviving power. Là. Et ça va faire mal ça. Oh, un beau Horde de la part de Lidman. Mais le raison était tout seul. Il manquait un petit peu de coordination là-dessus parce que s'il y avait eu juste un joueur ou deux de plus, il tuait tout. C'était fini ce point-là. Un petit peu plus tôt, Lidman, ça aurait été parfait. Mais je pense que Lidman aime ça jouer de façon offensive. Il veut y aller all-in. Donc, étonnamment, je disais que le pick le plus bizarre, c'était celui de Marco avec sa carrière, mais je pense que c'est lui qui fonctionne le mieux pour eux en ce moment. Oh, et on a failli perdre Arine ici. Là, il y a
Lidman qui a réussi à venir au point juste à temps. Il y a le Marco qui va mourir ici. Je pense qu'on va avoir un push. Oh, peut-être pas, on vient de perdre le leader. Il y a Tyrondin qui fait un gros flank. Et là, on a Tyrondin qui attaque en fou. Malheureusement, ce serait pas assez. Il va rester les deux tanks sur le point. Je pense pas que ça va être assez. Il y a un petit peu qui va essayer de gagner du temps. Mais ce serait pas assez non plus. Même avec son invisibilité, elle aura pas le temps. Je pense que c'est fin Saturne qui fait de la job en maudit de l'autre côté. En plus de contrôle. Fin Saturne et contrôle, ça va faire mal. Alors, comme j'avais dit, que Tyler fait beaucoup de dommages. Fin Saturne qui est pas si dominant sur les damage, mais je pense qu'il est fatigant à ce point-là. C'est sûr que quand tu joues Dredge, t'as beaucoup d'area denial. C'est juste pitcher des boules, puis t'espères que le monde ne va pas aller dedans, mais qu'ils vont comme s'en aller de tout là. Fait que c'est plus de la pression que Dredge y fait. Je pense que ça met comme. Je pense que Tyrondin, ça fait qu'il passe trop de temps en ce moment sur, sur le Dredge. Peut-être pas assez sur le contrôle. Sur les lianes. On est déjà rendu à Defense 3 pour Dredge. C'est sûr que maintenant, avec plus besoin de Colorize. Aller avec Defense pour Dredge, c'est une bonne idée. On va avec un ult, mais je pense que Hugo il sait pas ce qu'il fait. Ouais, il va avec un ult de Hugo, oh, c'est une bonne idée. Il va avancer tout en même temps, c'est une belle coordination de la part des bleus. Des rouges, pardon. Écoutez, Hugo qui va s'en sortir, il a fait une coupe de bons moves ici. Les rouges qui reprennent l'avantage. Tyrondin qui fait de la belle pression en avant. Mais là c'est sûr qu'en avant ils ont juste besoin d'attaquer en plein centre puis ils savent qu'ils vont toucher quelqu'un. Alors les rouges qui capturent sur le deuxième point, c'est donc 2 heures. Mais cette fois-ci, c'est ça, je pense qu'ils ont été plus offensifs du côté des rouges et ça a fonctionné. Parce qu'évidemment, ils ont une équipe offensive, il faut qu'ils soient offensifs. Ils ont fait leur hold et ça a bien fonctionné. Oh là, par contre, ça c'était un beau move de la part. Je sais pas si c'était de qui exactement. Je pense que c'était de Dredge. Tyrondin qui doit circuler parce qu'il commence à manquer de power. Le Milou qui va mourir, là. Tyrondin, est-ce qu'il va s'enfuir ou il va rester là? Ah, je pense qu'ils ont oublié Tyrondin. Eh, écoute, tant mieux pour lui. Marco Bou qui va s'avancer par la droite. Hmm, il n'est pas l'air sûr de ce qu'il va faire. Ah, est-ce que les bleus s'avancent? Est-ce qu'ils vont réussir à poigner Seven Flame avant qu'il puisse retourner? Ça serait un gros move. Et là, malheureusement, Arimi, je pense que c'est pas le premier hold qui manque, malheureusement. Peut-être qu'il n'est pas très habitué de jouer Moji. Alors, Dredge qui joue d'une position très haute en avant. Et là, Moji qui vient de mourir encore. Et on vient de perdre. Donc, malheureusement, je pense que l'attaque a été avortée avant même d'avoir dû commencer du côté des rouges. Les bleus qui se défendent bien. Tavia qui fait un petit sticky push. Oh 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 oh, attention. Est-ce que c'est fait voir? Oh, je pense que c'est fait voir par G-Wix. Ok, on revient. Il n'y a pas de sticky push qui va se passer ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va perdre sa vie pour ça? C'est ce qu'on va voir bientôt. Je pense que non, je pense que c'est réussi à s'enfuir. Par contre, on a perdu XPU. Oh, mais on a perdu Fin Saturne. Par contre, ça c'est bon. C'est sûrement trop avancé, j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. On a un gros combat de tank ici. C'est un flame qui essaie de s'en aller. Et là, on a éliminé contrôle en arrière. Et là, Octavia qui est allé flanquer. Marco qui joue Octavia de mètre à mètre en ce moment et qui vient comme changer la game une fois après l'autre. Tyrondin qui joue super offensif, il essaie de faire de la pression un peu partout, ça fonctionne. Mais il va par contre, il va peut-être perdre sa vie. Il va faire son shield pour s'enfuir. Je pense qu'il manque un peu de heal. Ça s'en vient de la part des groupes. Et là, on a Arimi. J'essaie de trouver Arimi. Je n'ai pas vu beaucoup cette game-ci. Je la trouverai pas, ça a l'air. Hein? Ok. J-Wix, on va voir un peu ce qu'il peut faire avec ça. Ok, je pensais qu'il était dans l'équipe à ce moment-là. Non, J-Wix va réussir à healer son Dredge. Et là, les bleus qui font une défense convaincante. Ça va bien de leur côté. Là. Niveau des healers. Oh, ouais. Les man qui fait un petit taunt en faisant son hold justement à la fin. Au bout du link, c'est pas mal kiff-kiff. Là, moi, je vais voir quelqu'un que j'ai pas vu depuis le début de la game. On va aller voir ce que Seven Flame est capable de faire. Ah ben là, si tu convaincs Hugo pour caster avec toi, ça va être une team de feu. D'ailleurs, je prépare un petit quelque chose en ce moment.
Alors, c'est bien du bon vieux temps, puis je peux dire que toi, je suis une pingo, vous êtes souvent. Ah, ok, on repart ça. Alors, c'est un flingue qui décide d'attaquer par la gauche. Elle va se ramasser contre toute l'équipe au complet. Je sais pas si ça va être bon, mais est-ce qu'elle va être capable de pousser X-Minou? Est-ce qu'elle va pousser quelqu'un? Elle essaie de baliter quelqu'un, mais non, il y a Tyrona qui est arrivé par en arrière et malheureusement, elle va se faire avoir. Ils ont joué de patience du côté des rouges et ça apporte des fruits. Et là, les rouges sont offensifs. Malheureusement, pendant ce temps-là, fin Saturne et contrôle et les man ont fait la job en arrière. On pensait que c'était Octavia et Tyrondin qui allait faire la job, mais non. C'était un subterfuge. On attaque de l'autre côté, mais je pense qu'ils se font attaquer de tous les côtés, les rouges. Ils vont peut-être devoir reculer. Les rouges avaient quand même repris le point pendant un certain moment. Oh, là, c'est un board de la part de Seven Flame. Est-ce qu'elle va réussir à tuer Marco? Ce serait un gros move de tuer Marco. Oh oui, oui, elle... Oh, elle a eu Tyrondin par contre. Je peux pas croire que Marco est pas mort là-dessus. Elle a tiré une balle dessus, puis il a même pas mangé un damage. Ouais, ça va être un board de la part de G-Wix. Il va permettre de tuer... X-Minou. Par contre, on vient de perdre G-Wix. Ça, c'est un autre problème. Écoute, c'est un point qui est sûrement discuté, mais je pense que c'est les bleus finalement qui vont l'emporter et emporter le match après tout. Oh, est-ce que Tyrondin va être capable de toucher? Est-ce qu'il va être capable de faire quelque chose? Et il est capable de tuer quand même. Fin Saturne. Là, c'est Octavia qui va arrêter sur le point. Et là, c'est. Alors, on voit les balles qui vont continuer à prendre la place. Finalement, il y a. C'est Ash qui a finalement pris la défense du point et qui a réussi à garder ce point ici. Même si on a entendu. Sky est arrivé à la toute dernière seconde. On a même un time sucking qui est arrivé à la fin. Mais je pense que Control avait la situation bien en main avec un heal qui s'en venait. Fait que une fin de match enlevée. On a eu les bleus qui ont pris le contrôle dès le début. Mais encore là, ça a été un petit peu disputé parce qu'on avait eu comme d'un côté on avait Octavia et Tyrondin. Puis de l'autre côté, on a eu les trois autres qui sont faites comme un peu péter la gueule par Libman et Fin Saturne. Donc c'est finalement les rouges qui ont repris l'avantage. Les bleus, pardon, qui ont repris l'avantage. Mais finalement, l'équipe B qui est revenue par la suite, qui a réussi à reprendre le contrôle. Mais juste pas assez longtemps. Il y a les bleus qui sont revenus par la suite et qui ont repris le contrôle et finalement gagné la partie. C'était tout un match pour la première victoire de l'équipe A. C'est des matchs comme ça qu'on veut. Des gros matchs. C'est bon match. Ouais. Oh, on a peut-être Moutarde qui veut venir se joindre. Moutarde, il était supposé être ici, mais il était malheureusement. Il a eu des petits problèmes. Fait qu'il n'a pas pu. On va attendre la prochaine partie. Fait que là, si on dit que c'est un 3 de 5, ben là, on est à 2 à 1 pour l'équipe B. Et là, on va commencer à sortir un peu plus de gun du côté de l'équipe B. Là. Ça a bien été du côté de l'équipe A dans cette partie-ci. On a un peu d'adversité. Là. On prend la map du côté de l'équipe B. Et on va jouer dans... Oh boy. Est-ce qu'on est sérieux ici? Est-ce qu'on va vraiment jouer dans la fameuse Timbermill? Pour ceux qui n'étaient pas ici récemment... Oh, la Timbermill est banned, ça a l'air. On peut pas prendre Timbermill. OK. Hugo va être déçu. Mais pour ceux qui sont pas là depuis longtemps, Timbermill était quand même changé, est un peu mieux. Il a l'air d'avoir la confusion, on n'est pas sûr si on va jouer en Timbermill finalement. On n'est pas trop sûr qui c'est qui a banni quoi, s'il y a eu des bans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Là, on a Léonard qui va revenir, je ne sais pas qui est-ce qui va sortir. Soit Seven Flame, Libman. Seven Flame ou Libman. Ou Worst Cassie, c'est aussi lui. On va voir ce qui va se passer. Bon, il y a du monde qui sont pistes parce que Timbermill est banni.
Ça va me faire l'air en crise contre Hugo. C'est pas bien. Il a besoin de 2 minutes pour choisir une map. C'est quoi, est-ce qu'il y a des stratégies déjà planifiées pour toutes les maps qu'elle apprend? Si oui, vous êtes quand même pas mal déjà assez intense. Mais j'avoue que déjà vous aviez un nom d'équipe. Je m'attendais pas à ça. Que non, vous l'avez scouté quand, Milou? J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous lui parlez. Là. Ça fait combien de temps que vous essayez de faire une équipe avec elle, mes chères équipes B? Ah, parce que ce moment, il s'appelle équipe A et équipe B, là, mais on va faire des meilleurs noms que ça, on s'entend. Là. Encore une fois, c'est un match d'exhibition. Et donc, je commence à perdre un peu de la voix. On va trouver des beaux noms, là. Des belles affaires, genre forteresse, magenta. Tu avais joué avec elle hier, t'as, ouais. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu services essentiels, Met on Tinder, Met in Black, Splitstone. Viril, c'est vrai, il y a une équipe qui s'appelait Viril à un moment donné. Zéro puis une défaite. Hey, on a eu des belles noms, des beaux noms d'équipe. On prend des meilleures choses à faire que ça. D'une autre, dernière saison, on s'appelait les Basiliques. Moi, je trouve que c'est bien. Là. Non, le Basilic, tu sais. Ok, ça a l'air. Est-ce qu'on veut leur Timber Mill finalement? On a l'air finalement, on a l'air qu'on n'a pas fait de ban. Ouf! Ça a l'air compliqué. Est-ce qu'il commence déjà à avoir de l'animosité entre les deux équipes? Déjà, les deux équipes se. Ils sont pas contents l'une de l'autre. D'accord, on va appeler ça de la rivalité. C'est bon la petite rivalité quand même. Même dans une LQP. Mais surtout si on a juste deux équipes. Ça va être une méchante rivalité toute la saison. Ils vont s'envoyer chier à la fin. Mais on espère pas ça. On veut que le monde s'amuse, on veut que le monde ait du fun. Ça sent bien, je vous jure. Je vais même mettre le spectate. Le spectate. Qui c'est que je prends là? Lemeas? Lemeas. C'est aussi un nom facile à dire. Enemies turn to ban. Oh, ils sont déjà dedans. Okay. Excusez, on change ça. Ok, alors on a déjà banni Yagorath. On était carré de Yagorath. On a vu que Minou la joue. On va faire autre chose. C'est comprenable. Déjà, on voit une méta qui commence à se former. On veut plus Yagorath. On a banni encore quelqu'un. Je sais pas si c'est peut-être encore Tyra. Aucune idée. Oh merde. Là, j'ai perdu le deuxième ban. Bon, ça c'était Yagorath. Ça, je sais pas c'est qui. Des bons vieux bugs de paladin. Et on dirait que les spectateurs n'ont aucun envie de le régler. Donc, on fait fuck that. On laisse le spectateur à tous les bugs qu'il y a. Je sais bien qu'il y a beaucoup de bugs dans paladin, mais ça semble que c'est un vieux bug. On a ça depuis le début de la LQP. Ça veut dire le début de la LQP, c'est 2017? 2017. Non, 2017, c'est le début du Discord. 2018. Atlas. Étonnant comme ban. Je pensais pas que c'était un problème. Peut-être à cause du gros mur. Je pense que fin Saturne, il s'y connaît un peu plus en ban compétitif. Puis il ban un peu plus comme les trucs qui sont plus importants à bannir. Mais je dis ça, je sors sur mon chapeau. On ban Koga. C'est quoi cette ban là? Ils savent quelque chose que je sais pas. Clairement. Strix. J'avoue que c'est une bonne map pour Strix. Mais le first piqué, c'est quand même étonnant. C'est parce que oui, on peut jouer avec Strix, mais on peut aussi le contrer. Il semble que ça aurait été un bon last pick. Ça serait pas attendu de l'autre côté. Là. Il n'y a pas de joueur de Strix de l'autre bord. Là. Le seul joueur de Strix dans toute la LQP, c'est Moi Moi, puis Moi Moi, ben, il n'est pas là.
Saris Lian. Des first pick étonnants. Ok, je pense que les rouges veulent gagner là. Si on prend une Lian, si c'est un joueur qui est déjà, un personnage qui est déjà plus comme plus confortable pour Turonin et Arimi. Billy Talent aussi en fait. Billy Talent, je me souviens qu'il l'a joué dans la LQP à un moment donné. Mais c'est pas un grand joueur de Lian, ça je le sais. Je me souviens que Moima il avait trashé toute la game. Mais elle avait pourtant fait pas si mal que ça. Pas si pire. Peut-être Milou aussi, je sais pas ce qu'elle joue. Maintenant on sait qu'elle joue. Qui était joué dans la game. Sky! Je sais pas sa habilité, j'ai pas regardé en fait. Contrôle qui va avec Ruckus. On va avec Ruckus Khan. Khan probablement pour Lomias. Est-ce qu'il est pas là? Marco? Non, Marco il est au bas. Est-ce que c'est lui qui manque? Il manque. Lipman. Lipman n'est pas là. Ok, ok, dude. 4 rums avec Henry, on se calme. J'avoue que ça doit être assez destroyer. Assez destructeur. Saris, Lian, Inara, puis on commence avec les bans. Inara, c'est peut-être pour Billy Talent, c'est peut-être pour Turondin, peut-être pour Arimi, peut-être pour Marco. Finalement, tout le monde peut jouer dans cette équipe-là. Fait que ça veut absolument rien dire. Fait que pour l'instant, l'équipe rouge est une énigme. Mais Inara, c'est pas mauvais dans ce map-là. Le problème, c'est que les murs sont pas assez grands pour cacher Inara. Mais c'est pas grave, Inara reste un bon point tank quand même. Puis je pense qu'un point tank, ça va vraiment aider. La dernière game, ils ont eu de la misère parce qu'ils manquaient de gros tanks pour l'équipe rouge. Fait qu'ils vont réessayer ça. On ban Furia. Parce que là, on a pris Saris. On ban Furia, fait qu'ils vont être obligés de jouer un autre healer du côté des bleus. Parce que là, c'est les deux seuls healers qu'on a vus du côté des bleus. Seven Flame va devoir jouer quelque chose d'autre que Furia. Et quelque chose d'autre que Ash, parce que là on a déjà deux tanks. À part s'il veut y aller avec trois tanks. Je vous déteste si c'est le cas, mais vous avez le droit. J'ai pas banni ça. On banne une Maeve. On veut pas voir Tyrondin sur une Maeve. C'est étonnant, j'aurais cru, genre. Tu sais, dans cette map-là, une Eevee, ça va bien, hein. Grover, d'après moi, Milou, elle joue Grover. C'est pour ça qu'elle n'aurait pas de Hovery. Tantôt aussi, non, pas vrai, elle avait 0 avec. Fait que je sais pas ce qui se passe. Avec Zen. Ah, c'est peut-être G-Wix qui m'a entendu tantôt, ça. Je pense que ça, c'est pour G-Wix. Mal d'en bas. Sûrement pour contrôle. Ok, on va voir ce qui va se passer. Non, Seven Flame qui va aller sur Zen. C'est vrai que ça m'étonne pas trop non plus. Ouais, G-Wix il va avec son Ruckus. Le fameux off-tank qu'on essaie de lui faire jouer pendant longtemps, ben il est quand même level 50 avec. Quand même. Oh, ok, il y a un Kinesa de l'autre bord. Ok, on va avoir une bataille de sniper. C'est juste qu'entre Kinesa et Strix, Kinesa est meilleur en général, mais Strix est meilleur contre Kinesa. Fait que, ok. Ça risque d'être un combat difficile pour Marco. Les compositions quand même semblables. On a deux healers, non c'est pas vrai, on a deux healers, un tank du côté des rouges, et on a deux tanks, un healer du côté des bleus. Mais Billy Talon qui s'en va avec son Grover, j'ai hâte de voir ça, est-ce que ça va être comme build Mimi avec les haches qui vont loin là? Je sais même plus comment ça s'appelle. Ferocity. Ou il va avec les haches qui cripple. S'il pogne Strix, ça peut être bon contre Strix. Mais même les haches qui vont loin, ça peut être vraiment bon contre Strix. Parce que oui, ok, Strix continue ça, Strix gagne juste à cause de l'invisibilité. Mais si tu rajoutes des haches de Grover qui passent une fois de temps en temps, là, ça peut commencer à être chiant. Ça avec Lian qui peut très bien attaquer de loin. Je sais pas s'il va prendre l'imminence. Mais on verra bien. Ok, il y a quand même une équipe qui attaque de loin du côté bleu, du côté rouge, pardon. Puis avec Inara qui peut rester sur le point assez rapidement, assez fort pendant longtemps. Je pense que c'est une bonne idée. Oh, Milou qui joue Saris. Fait que là, Milou qui nous montre des tanks, des flanks, des supports. On va regarder ça. Lameas sur son canne comme d'habitude. G-Wix. On va changer le scoreboard.
Parce que je l'ai pas fait dans ma game. Intro. Ok, beaucoup de comfort pick de ce côté-là. J'avais pas mentionné Zen sur pour Seven Flame, mais c'est vrai qu'il me semble que j'ai dans la tête qu'elle joue. Avec Yomi. Vortex Grip, Nocturnal, Pierce Chosen, puis je m'attends à Aerial Assault, surtout dans ce map-là. Éminence, ok, jouer Éminence, c'est quand même bon. Ferocity, donc on y va vraiment de loin. Mortal Reach, ça c'est bon dans ce map-là. Parce que justement, là, t'as besoin de la distance. Deposition et. C'est Rondin qui va avec un Mimi build, il va avec un Tremors. Oh, pareil. Ah, game paused. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est GOX qui a accès à ça? Non, c'est un truc. Fait que Tremors, ouais, je sais que c'est comme la carte cachée de Tyrondin, il y a bien Tremors. Dans ce moment-là, ça peut être. Ah, je sais pas si ça peut être bon. Parce que, genre, c'est difficile de se cacher derrière les murs parce qu'ils sont juste trop petits. Mais écoute, qui monte ce qu'il sait faire. Ouais, là, on va finir sa tourne en premier. Ouais, c'est ça. Et c'est lui qui a le premier shot sur, sur la finesse, peu importe ce qui se passe. C'est qu'il attend un peu. On vient de perdre Billy Talent. On vient de perdre l'araignée. Pardon pour l'air. Je pense que il va falloir qu'il fasse de quoi sur ce Strix là. Il attaque de loin les rouges, mais je pense qu'il aurait fallu au moins un flank. Oh, ça me flingue, il a réussi à survivre. Oh, elle a failli crever là. C'est pas fini. Hop là. Il est rouge qui reste en haut pour le moment. Oh, on a pas encore eu le point. Je viens de marquer ça. Je pensais que le meilleur était dessus, mais non. Oh, ça peut être un gros problème. Je pense qu'il y a eu un manque de coordination du côté des bleus ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'il y avait le temps pour prendre ce point-là. Là. Oh là là. Marco qui manque une coupe de ses shots. Ça a été bien de les avoir cette fois-ci. Enfin, Saturne qui va mourir ici par contre. Les rouges qui vont. Oh, c'est ce que je pensais. Je pense que Seven Flame va perdre sa connexion encore. C'est dommage parce que. Parce que c'était bien parti là, du côté des bleus. Mais je pense qu'on va devoir se reprendre parce qu'ils seront peut-être pas capables de revenir à temps. Ouais, Seven Flame. Ah, dommage. Elle disait aussi qu'elle avait fait comme une coupe de mouvements bizarres. Mais bon, je peux pas dire ça à la TV parce que si jamais c'est vrai qu'elle a fait ces mouvements-là, ben là j'ai l'air de la critiquer. C'est pas bien gentil. Quand même, là, les rouges qui font beaucoup de damage malgré tout. Je suis étonné parce qu'ils n'ont pas l'air de faire tant de damage que ça, mais c'est peut-être parce qu'ils ont tout mis dans les tanks que j'ai pas remarqué. Encore déconnecté, mais je l'ai vu que c'est reconnecté, fait que ça doit s'en aller bientôt. Fin Saturne qui va avec Vétéran. Est-ce que c'est si utile que ça? J'imagine que oui, probablement que genre que ça fait juste assez de vie pour qu'il puisse survivre à Kinesa, quelque chose comme ça. Mais il semble que Haven aurait été mieux. Malgré tout. Je suis pas là pour juger. Pas vrai, je suis là pour juger, je suis un commentateur. Ça s'en vient, je vous jure. Non, reposition ça pour Marco Boubou. Ça va être bon pour contrer le Zen. Bon, pour l'instant, on va regarder un petit peu le loadout de Tremor. J'étais un peu curieux. 500 health shield pour 3 secondes après activating impasse. Oh, on revient. Ok. C'est quand même drôle. Ok, on prend ça.
du gameplay incroyable. Ouais, Marco, mets tes mines. Ah. Les bleus qui ont pas réussi à revenir. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il aurait peut-être bien pu l'avoir si on n'avait pas perdu Anso du côté de la 7 frame du côté des bleus. Mais écoute, il y a encore en masse de temps pour se reprendre. Et il y a malheureusement Lemieux qui va perdre la vie ici probablement. Oh, il va réussir à s'enfuir peut-être. Oui, oui, il s'est fait healer sur le moment. En fait, il s'est healer lui-même sur le moment. Oh, on a manqué un coup du côté de Fait Saturne, je suis désolé. Je pensais qu'elle allait le poigner avec ça. Oh, j'ai vu que c'est failli mourir ici. Oh, il a pas vu les murs. Finalement, les deux murs de Turondin qui font la job, qui empêchent le monde de s'en aller. C'était pas le temps pour se protéger que juste pour faire chier le monde. Faire chier le peuple. Il y a Zin qui a fait un bon kill en arrière pendant que je regardais pas. C'est vrai que je vais la regarder parce que c'est rare qu'on la voit jouer DPS. Oh! C'était un beau, beau vertex grip de la part de Lemieux, malheureusement. Oh oui, il y a eu un follow-up. Ah non, il y a même pas eu de follow-up. Oh, il dit oui, c'était pas une bonne position ça. C'était une bonne idée par contre, mais s'il y avait eu plus de healing, ça aurait fonctionné. T'as les rouges qui rentrent dans cette composition-là. Là. Bitan, tu prends une shot, c'est pas grave, il se heal tout de suite. On voit le sniper qui se positionne en arrière, il va sûrement manger un coup de... de spam dans pas long, mon B-Talent, effectivement. Il faut qu'il circule. Ça va une flingue qui va essayer d'aller en arrière. Qui va essayer... Oh oui, il va aller faire plus de dommages là-dessus. Si tu fais un hold. Non, elle va faire plutôt ça. Pas de hold là. On va essayer, de s'en aller à la place. Ah, c'est vrai, elle a pu une minute dans son hold. Oh, les rouges qui font mal. Mais encore, c'est peut-être parce qu'il manque un peu de colorize. Ça s'en vient éventuellement, le colorize. Il y avait une flingue qui arrive en arrière, il va se faire surprendre par par Arimi. Il va devoir s'enfuir. Alors malheureusement, il perd le combat ici. C'est Control qui va laisser de finir, mais finalement ça ne marchera pas parce qu'Arimi va essayer de s'enfuir. Elle va revenir à la charge parce qu'elle s'est fait healer. Il y a G-Wix qui s'en vient. Voilà, regardez ça, ce combat-là. Je suis un petit peu étonné. Ah, il y a G-Control qui garde en tête que son allié a besoin de healing, même s'il lui-même est en merde. Un bon healer même. Oh, un beau stun de la part de Control. Oh oui, ça c'était un beau play. Malheureusement, Arimi est en train de faire la job en avant. Et là, ça va être dur pour les... Oh, voir que Sunshine a été gardé en vie là-dessus. Aussi longtemps que ça. Il reste seulement la meilleure. Je pense pas qu'il va garder de survivre contre autant de positions. Il y a quand même Control qui va revenir, mais je pense pas que ça va être assez. Oh, on comprend qu'il va faire un hold, ça va peut-être aider. Wow! Le hold de Control qui a sauvé la situation. Et le meilleur, qui a gardé le point pendant très longtemps. Gardé en vie juste assez pour que Control puisse revenir et faire son hold. Ouf! On a eu chaud du côté des bleus. Là, il est temps qu'ils se reprennent. Ah, j'aime ce gun-là, il s'en est. Oh, du côté des bleus, on a quand même de la difficulté. Je disais que je pensais que, Strix aurait un plus gros impact en fait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de snipes de l'autre côté. Beaucoup de personnes qui peuvent le sniper, puis Liane joue aussi de façon très offensive. Fait que là, ils ont un Zin en face, ils ont une Liane en face, c'est clair que c'est pas fâché. Non, c'est pas un Zin, pardon. Ils ont un Ruckus en face. Non, même pas, Ruckus est de l'autre bord. Et ça va pas bien, je pense que je commence à être fatigué. Et Meyers qui va aller directement sur le point. Il faudrait juste qu'il puisse quelqu'un dans le spinner là, ça aiderait beaucoup. Parce qu'il va prendre la Inara, ce serait parfait. Il faudrait juste qu'il finisse son... En fait, elle est même pas Mother's Grace. Vas-y. La Meyers qui continue à prendre le point. En ce temps-là, il y a G-Wix qui fait de la grosse job de ses côtés, mais maintenant il vient de mourir malheureusement. La Meyers il reste sur le point, mais bientôt il va l'avoir à s'en aller. Il n'y a plus de grands amis là, puis il y a Fin Saturne qui est dans la marde, littéralement. Ah, oh, là c'était le temps qu'il fasse. Ah, il a pogné le pont. Non, la meilleure! Malheureusement, c'était peut-être aussi un petit peu trop tard. Parce que là, l'équipe revenait au grand complet. Mais au moins, ça arrêtait bien qu'elle meure là. Elle n'a pas réussi, fait que ça va rester un combat chaudement disputé. Les bleus qui sont comme un peu pognés dans un petit coin. Les rouges qui sont bien positionnés. Il y a beaucoup de temps de tous les bords. Ça va être dur pour les bleus de revenir, mais ils vont attaquer par la petite maison. Il y a Seven Flame qui va aller attaquer par le bas.
qui va essayer de poigner Arimi, mais qui va manquer Arimi avec son ult. Et là, c'est Control qui a failli se faire tuer par le ult de Tyrondin, mais il va réussir à survivre, puis c'est Grand Tyrondin qui va perdre sa vie à cause de ça. Les bleus qui prennent l'avantage. Et Seven Flame qui finit Milou. Tiens, par contre, il y a des personnes en haut. Je pense que oui, l'équipe A qui va prendre le point ici. Un point chaudement disputé. Et là, est-ce qu'on va perdre aussi Marco? Ou est-ce que Seven Flame va perdre sa vie pour ça? Je pense qu'elle s'est avancée un petit peu trop là-dessus. Elle n'a pas réussi à faire avec elle. Le meilleur, ce qu'on perd aussi également, mais ça c'est à cause d'un des murs de Tyrondin. Tyrondin qui fait fonctionner ses murs. Oh, il y a un board de la part d'Arimi qui va peut-être amener la fin de fin Saturne. Oui. Et Saturne qui s'avance beaucoup, qui joue très offensivement avec son Strix. On rappelle que Strix c'est un sniper. Mais qu'on joue de façon différente, j'ai aucun problème avec ça. Oh, oh, ça c'est pas bon, par contre, Control vient de se faire avoir par une mine, je crois. Ça c'est... unfortunate. Là, on a le meilleur qui avance inexorablement vers sa mort, je dirais. Dites-moi si je me trompe. Je ne me trompe pas. Donc, on a besoin d'un peu plus de coordination du côté des bleus. Le G-Wix qui avance à son tour. Est-ce que G-Wix va mourir à cause de ça? Il pourra peut-être bien, il va réussir. Ok, le meilleur c'est revenu. Oh, par contre, ça veut dire, mais ça va avoir pendant rien, mais il a pris Narcobu. Que c'est l'heure de G-Wix là. Est-ce que G-Wix va réussir à avoir Billy Talent? Oh oui, il réussit juste à temps. Parce que là, il s'en allait justement, puis on avait Milou qui était juste en arrière aussi. Par contre, Control qui a dû se faire avoir par Arimi. Control qui manque un peu de support de la part de son équipe, ils sont arrivés juste un petit peu trop tard. Là, les bleus reculent. Sans healer, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Finalement, ils réavancent. Ils sont comme pas trop sûrs s'ils veulent faire. Ils ont juste donné un petit peu de temps à l'autre équipe pour se reprendre. Le meilleur sport team est en train de se faire avoir. Hey, 3-5 de l'autre côté. Oh, par contre, ils vont peut-être avoir le healer. Ils ont eu le healer. Milou est mort. Oh, et là, Dieu, c'est le tout pour le tout. Mais je pense que c'est une bonne idée. Ah. Malheureusement, il n'y a pas eu d'aide de son équipe. Il aurait fallu un petit heal, ça aurait aidé. Mais peut-être qu'on va avoir beaucoup de coverage aussi. Là, on devrait avoir Bilitan qui devrait s'en aller bientôt. Parce qu'il va peut-être se faire avoir. Oh, et là, on a l'Omeas qui est dans l'arbre. Mais en même temps, il manque un peu de firepower du côté des rouges. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Là, l'Omeas qui est un peu pris. On a un board de la part d'Elmilou qui va aider. Oui, on a réussi à avoir G-Wix avec ça. Ok, il reste juste les damagers. Puis je pense pas qu'ils vont réussir à garder le point qui est en overtime présentement. Il reste juste Control. Control qui fait un beau stun, mais ça serait pas assez. Mais une belle tentative de l'équipe A. Non, l'équipe B, pardon. Ok, ok. On voit du côté des bleus, le damage est pas tant là, mais pourtant ça semble fonctionner quand même. Ils ont plus de staying power que du côté de l'équipe B. Je pense que ça paraît. Je pense qu'ils aussi qu'ils font les kills qui sont nécessaires. Tu regardes aussi du côté du healing et Control fait une bonne job en ce moment. Mais c'est sûr que de l'autre côté on a deux healers, fait que ça fait beaucoup de travail. Ok, c'est qu'on va aller voir. Let's go Arimi, montre-moi que t'es capable. Avec le requin qui fait des drôles de bruit. Oh non. Oh. Une pause tactique. C'est pas gentil ça. Et Seven Flame qui s'est fait avoir là-dessus. Malheureusement, la combinaison des attaques d'Arimi a fait mal. C'est pas de sa faute à Seven Flame. Et là, le meilleur, ce qui est vraiment dans la merde, il va mourir là-dessus. Un bourreau de la part de Tyrondin, juste pour tuer une personne, mais juste une personne, c'est assez. Il en faut juste une. Et là, c'est fin Saturne qui est dans la merde. Les rouges pourraient être plus offensifs, les pourraient être plus agressifs. Les bleus sont déjà en train de se grouper. Oh, un bourreau de la part de Control. Et ah, malheureusement, ce serait pas assez pour tuer Seven Flame. Pour tuer Arimi. Seven Flame ne sera pas capable. Le meilleur, c'est qu'il est comme pogné un petit peu entre deux murs. Pas capable d'aller sur le point non plus. Je pense que les bleus ont de la difficulté. Là.
Voyons où est-ce qu'il est. Je cherche le... Le disparu, hein. On va regarder le meilleur sur la place, il va peut-être perdre sa vie ici. Oh! Il a eu Saturne. Ben c'est pas même pas lui qui l'a eu, c'est Fin Saturne. Fin Saturne qui est sur le point présentement, c'est lui que je cherche depuis tantôt. Non, il était là. Oh, ça c'est un boîte aussi, il a pogné tout le monde. Est-ce qu'il va être capable de tuer? Oh, si D-Wix est capable de faire une coupe de kill là-dessus, ça serait bien. Et D-Wix s'est fait un super beau kill là-dessus. Oh, par contre, Marco qui le sait donner, c'est du beau réflexe du côté de D-Wix. Alors, hey, un bois de Fin Saturne dans lequel G-Wix est allé attaquer de façon allègrement. Alors, on est revenu du côté de Turondin. Oups. On a eu un autre rôle de calme, mais je pense qu'il l'a encore manqué malheureusement. Dommage, parce que ça serait vraiment incroyable s'il était capable de les faire correctement. Alors, Tyrondin qui est capable de garder le point, et je pense que ça va être un... Oh non, G-Wix, il n'y a pas de G-Wix contrôle qui essaie de prendre le point à nouveau, mais non, ça va être un contrôle du côté des bleus. Et là, il y a Marco qui décide d'aller attaquer... Oh non! Et ça serait une mauvaise idée, parce que Fin Saturne réussit à faire un beau double kill ici. Il va peut-être même réussir à avoir le healer. Et là, malheureusement, qui ne se tourne pas. Le Tyrondin qui a dû sûrement pris de la résilience. Oui, en masse. Parce que c'était pas un long haut, ça. Oh, on n'a pas encore réussi à prendre des points. Wow! Ah, c'est l'équipe A qui finalement réussit à prendre des points. Excusez-moi, j'avais pas remarqué. Putain, bois, quelle reprise du point. Je sais pas ce qui s'est passé pour que ça soit aussi long pour prendre le point. Hein. Je crois qu'il y a une coupe de touch puis j'avais pas marqué, mais les bleus par contre se font pas tailler, il faut qu'ils reviennent. Oh, le meilleur faudrait qu'il meure tout de suite. Il faudrait qu'il contrôle le s'en aille. Le meilleur s'est repris sa vie, mais c'est pas grave, c'est pas assez. Ah, oh, Marco il joue le build des mines. C'est pas bien que je joue le build des mines, Marco. C'est evil. Marco qui continue à faire son. À faire le clean-up. Il reste juste D-Wix. Il va peut-être s'en aller, D-Wix. Il fait. Fait bien ça, D-Wix. Ah oui. Ok, on est groupé, on peut y aller. Est-ce que D-Wix va faire un haut? Ce serait un bon moment pour aller faire ça. Genre, une petite. Deux pas par en avant, tu fais un haut puis tu vas en top. Non, il va décider de reculer. Oh, Seven Flame vient de se faire encore avoir. Malheureusement, c'est une game difficile pour Seven Flame parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette backline là. Fait que c'est dur d'avancer. On sait qu'on a Fin Saturne en arrière, hein. Ariane a entendu. Arrivé. Et oh, il vient de se manger une shot. On vient de perdre le meilleur du côté des bleus par contre. Et là, on va perdre G-Wix. On a perdu G-Wix. Seven Flame qui arrive par contre, mais trop tard malheureusement. Toute son équipe est morte. Oh, elle a failli avoir Marco Bou par contre. Ça c'était un ult un peu wasted de la part de Milou malheureusement. Ça arrive. Hop là, la merde c'est un peu perdu. Oh, on va se reprendre Billy Talent. On a perdu Billy Talent. J'ai vu ce qu'il va faire avancer le point. Oh, s'il est capable d'avoir les healers, ça serait gros. Oh, il y a eu les healers. Je pense qu'il y a eu une bonne shot de Fin Saturne qui est passée par ici. Oh, il est là. Est-ce qu'on va perdre Bitan? Bitan qui est mort à nouveau. Bitan qui a peur de passer une si bonne game que ça. Ou bien c'était juste une mauvaise séquence que je viens de voir mourir deux fois de suite. Ça se peut. Arimi qui va se battre. Oh, il vient d'avoir le healer. Ça va être gros ça. Il y a eu le healer et le sniper. Malheureusement, je pense pas qu'il va être capable de pousser avec ça. Il va devoir circuler, mais ça serait pas assez. Puis en plus, c'est les mines. Les cristaux mines de mine. Est-ce que c'est grave ces mines? Ok, mais un bel effort du côté des bleus. On se retrouve en 3-3 sur une game très disputée. Là, je pense que les deux équipes commencent à se sentir. Elles commencent à comprendre le principe. Elles commencent à avoir de la chimie des deux bords.
B-Talent, je t'ai pas vu de la game. On va aller voir du B-Talent. Capture point spawning in 15 seconds. Bailey, Bailey, ah oui. On regarde un petit peu les leurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Wouh! Quand même. Ok. Une stratégie incroyable de la part de Billy Talon qui va attendre un peu. Oh, est-ce qu'il va réussir, Amias? Non, il a pas réussi! Non! Je pense qu'il est mort justement qu'il puisse le faire en fait. Amias, cette fois-ci, il avait réussi la bonne technique, mais il a juste pas été assez rapide. Et Saturn qui va essayer de faire le tour pour aller tuer Billy Talon. Pour Billy Talon, il serait pas capable de sortir de là. Oh, on a des petits problèmes ici finalement. D-Wix, il va peut-être perdre sa vie pour ça. Oh, Marco Bou qui a réussi à tuer Control! On a, si la débandade du côté des bleus, on se retire. J'ai vu que ça a cruellement besoin de vie. Mais est-ce qu'il va essayer de se garder en vie? Oh, il a une perte à Saturne. Ça s'annonce pas bien pour les bleus. C'est une flingue qui vient de mourir également. C'est une flingue qui est pauvre. C'est pas une game facile. J'ai vu qu'il va pour le point. Tu sais, on dit qu'il va aller mettre un mur dans la face de J.W. pour tirer qu'il fasse rien. Ça, c'est méchant. Et on finit avec ça. Qu'on va courir sur le point de façon désespérée. Mais je pense pas que ça va être assez. Oh, ben il va gagner quand même pas mal plusieurs secondes. Il reste contrôle. Pas contrôle, fin Saturne. C'est même flingue qui est-ce qu'il va arriver à temps, pardon. Elle va toucher, mais ça serait pas assez. Il y a G-Wix qui va arriver. Quand même, il va faire quand même pas de dommages. G-Wix et la Mers qui sont revenus. Mais Marco Bou, malheureusement, a eu fin Saturne. Ça commence à taper la débandade. Il reste juste la Mers. La Mers, ça serait pas assez, malheureusement. Je pense qu'on va avoir une victoire ici du côté des rouges. On va avoir un autre contrôle qui va arriver. Il n'y aura même pas le temps de toucher. Et on a un mur pour finir ça. Et c'est la victoire du côté des rouges. Donc malheureusement, si la meilleure avait réussi son hausse, la game aurait été totalement différente. Là. Mais malheureusement, il s'est fait tuer juste avant. Je pense que c'est Arimi qui l'a tué. Vraiment une belle tentative. Puis après ça, il y a eu Fin Saturn qui est arrivé dans le dos et qui a tué Billy Talon dans le dos. Il y a une coupe de beaux plis d'Arimi aussi. À la fin, j'ai pas vu, mais je sais qu'elle a fait une, je pense que c'était un double kill. Non, c'est Marco qui a fait un double kill. C'est quand même assez intense. Fait que c'est 3-1, je sais pas s'ils vont finir ça là. Je sais pas s'ils vont dire ah ben c'était le fun. Théoriquement, ça serait l'équipe B qui aurait gagné cette soirée. Ici j'ai une coupe de. La discussion, je pouvais rien faire contre Liane qui disait Worst Cassie. Non, c'est ça l'affaire. C'est quand même dur parce que Liane peut être offensive et défensive en même temps. Puis Ariane le joue de façon offensive totalement. Oh oh oh, ça sent une dernière game encore. Je vais leur dire que j'ai juste de la voix pour une dernière game parce que. parce que je commence à avoir de la misère. Ok, donc officiellement l'équipe B a gagné cette partie d'exhibition. Donc on a eu quand même la chance de voir beaucoup de. Alors je vais remettre ma caméra hein, pendant ce temps-là. On a eu quand même la chance de voir beaucoup de plays différents, beaucoup de champions différents qui ont été pris, beaucoup de stratégies différentes. Je suis quand même content de voir ça. Puis on a eu plusieurs games qui étaient assez serrés. Au début, c'est sûr que l'équipe B prenait pas mal le contrôle. Puis après, je pense deux games, ils ont essayé comme des trucs un peu plus. Ils sont moins confortables. Ils ont quand même réussi à faire bien malgré tout. Mais là, dans la dernière game, ils étaient sur des trucs confortables, je le confirme. Je fais juste que l'équipe A a réussi à reprendre l'avantage, je pense, trouver une certaine chimie, trouver quelque chose qui fonctionne. Et ça a bien fonctionné pour eux. Donc, non, c'était des belles games. Et ça a l'air que c'est pas terminé. On va en avoir une petite dernière, mais que ça va peut-être pas être avec les mêmes équipes. Mais pour ceux qui. C'est la première fois qu'ils voient l'équipe, ben, je vous présente un peu l'équipe. Donc vous avez vu, c'est un peu ça normalement. C'est des matchs 3-5, puis il y en a un par semaine. Fait que c'est peut-être même pas votre équipe qui joue. Fait que c'est ce qui est le fun, c'est que tu joues puis
T'sais, si tu perds, c'est pas grave. On s'entend que les points, oui, ok, on comptabilise les points, mais c'est pas si important que ça. Puis on a vu justement que l'équipe B a comme ralenti un petit peu après la première game. T'sais, le but, c'est d'avoir du fun ensemble, puis je pense que ça. On a bien démontré ça aujourd'hui. Je sais pas trop ce que ça a donné dans les équipes en tant que telles, il faudra que j'aille demander un peu ce qui s'est passé après. Ah, on a Moutarde qui s'en va se joindre à nos équipes. Fait que oui, si vous êtes intéressé par la LQP, je sais qu'il y a beaucoup de vétérans à l'écoute ce soir. Ou bien si vous êtes nouveau et que ça vous tente juste d'essayer, ben écoutez, vous pouvez très bien venir dans le Discord. Je sais qu'il y a un lien qui s'est fait donner tout à l'heure. Sinon, allez sur notre page Facebook et vous allez trouver notre Discord sans problème. J'avoue que Citadel, Paladin, Citadel, allez juste tapez Paladin Citadel sur Google puis vous allez trouver notre Discord sans problème. Mais notre Facebook en fait. C'est sûr que c'est quand même un investissement à l'équiper parce que tu es dans une équipe et idéalement le but c'est de pas. Comme, non, je pense qu'on l'a plus cette commande-là, Danton. Il va falloir la remettre. Ouais. Mais c'est pas grave. Tantôt il y a G-Wix qui l'a posté. Puis sinon on peut la reposter. Là. Mais en fait, je vais aller la rechercher tout de suite. Alors, c'est ce qu'on les remis. Ok, tu vois que c'est là, c'est bon. Je sais pas s'ils vont changer quelque chose, finalement. Je pense qu'ils vont garder à peu près les mêmes équipes. Oh, ben il y a Moutarde qui rentre à la place d'Emilio. J'aurais aimé ça que vous changiez un peu les équipes. Je sais pas, mais ça m'a l'air un peu abusé. J'ai bien qu'on veut s'amuser, mais. Eh! Je pense que Seven Flame est parti. Ben écoute, bonne soirée Seven Flame. Bonne soirée à Milou aussi, j'espère que t'as apprécié. En tout cas, nous autres, on aimait ça t'avoir avec nous. On va aller sur Stormkeep de nuit. Une question importante, nous dit Turonet. Ah, mais c'est bon, Hiker, on va te demander si jamais. Si jamais on a besoin. Pour l'instant, ils sont encore 10. Fait que je pense que pour la dernière game, ça a fonctionné. Fait que. Ça serait pas ce soir, mais si c'est une autre journée, évidemment, ça tente de venir. Yes! Ok, la game semble prête à partir. Ouf. J'ai besoin de paladin. Alors, on perd Seven Flame. Et on perd Milou. Milou qui est remplacé par Moutarde, un autre de nos réguliers. Your team's turn to ban. Choose your champion. Enemies turn to ban. Ok, ils n'ont pas changé les équipes. Je suis un peu étonné, un peu surpris. On verra bien ce que ça va donner. Donc on banne Inara. Je pense qu'on ne veut pas revoir Turondin faire son tour de passe-passe. Your team's turn to ban. On banne quelque chose. Vous voyez bien ici, on a quelque chose. Il semble que c'est évident. Là, je m'excuse si je vais commencer à parler un peu moins fort. Quand même, j'ai des voisins et il est 10 heures.
Et je commence à manquer de voix. On banne Atlas. On banne les gros tanks. Je me demande si on va avoir une Eevee comme dernière game. On va prendre une Saati en tout cas. Est-ce qu'on retourne une Saati pour fin Saturne? Ou on essaie ça pour contrôle peut-être? Ou peut-être GeoX, il est level 3 avec. Si jamais. Ray. Excusez-moi, j'avais vérifié quelque chose. Fait qu'on a pris Ray et Ying. J'espère qu'on y va pas pour un 5 healer. Bon, en même temps, s'ils veulent s'amuser. Fernando et Grover. Ouais, on y va pour 5 healer. Je sais bien que j'ai l'air négatif, mais oh, c'est plate les 5 healers. C'est juste long. Ça finit plus. Finalement, on décide de peut-être pas faire ça. Un petit Makoa. Un petit Makoa. Level 37, mon Billy. Quand même. Un Fernando, peut-être pour l'Ameas. Ou encore un Grover, peut-être pour l'Ameas. Nando, c'est peut-être pour Libman ou pour Diwix. On banne Namal d'en bas. Je pense qu'on veut contrôler l'Aipa, peut-être. On a pris Ying, on a enlevé Maldaba, on a enlevé Cyrus, il reste plus grand healer pour vrai. Mais il reste Grover. Mais Grover, c'est peut-être pas assez. On enlève un autre tank du côté des bleus. On enlève Yagorath. Il reste plus grand-chose comme point tank. Il reste Terminus. Est-ce qu'on va se risquer à jouer un Terminus? Ben, il reste Barrick. Barrick, il est bon aussi. On l'oublie tout le temps parce qu'il est petit. Mais même s'il n'y a pas beaucoup de vie, il est capable de durer longtemps. Ok, ce sera... Je le sais pas. Pour vrai, en dernière game comme ça peut être vraiment de tout. Là. Ils vont jouer quelque chose pour avoir du fun. Pumpkin. Pumpkin 65, Marco. Si, ouais. Ça aurait un Androxys peut-être, un Vatu. Androxys. Vatu. Corvus. Un autre healer, mais un Corvus pour vrai, moi. Moi j'aime ça comme call, mais on verra bien ce qu'ils vont prendre. Ok, on va jouer avec 3 healers. 3 healers, c'est mieux que 5. Puis on s'entend que c'est Grock et Grover, ça compte pas à ce point-là. Fait que 2 healers contre 3 healers. Est-ce qu'on prend un 3e healer? Qu'est-ce qu'il reste comme healer? Non, on prend une Willow. Il reste Pip. Furia. Non, Furia, ça doit être celle qui a été bannie. Non, elle est pas là. Seven Flame est pas là, fait que ça doit pas être elle. Non, il faut pour un Genos. 3 support. 3 support. Ying, Zin. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? The Logos? Willow? Ah bon! Ça peut être pour plusieurs personnes. Il y a Moutal qui la joue, il y a Turondin qui la joue, il y a Rémi qui la joue, il y a Marco qui la joue. Finalement, ça va être Billy Talon qui va la jouer.
Ok, ça me va. Tyrondin qui va jouer Ray, mais probablement de façon offensive. Arimi sur Bomb King. Ok, intéressant. J'avais pas vu ça souvent. Markubu sur Ying. Ça me va très bien. Makua pour Moutarde. Ok. Fin Saturne sur Grok, je m'en doutais un petit peu. Corvus pour. Ah ouais, Corvus. Je pensais que c'était Moule qui jouait plus Corvus que Lipman, mais ça a l'air que c'est Lipman qui va le prendre. Lemia sur Grover. Contrôle sur Saati. Quand même level 16. Puis Diwick sur Fernando. Ok, des équipes. Et sûr, très concentré sur le healing avec pas vraiment de points de tank, ça dépend ce que J-Wix prend. Est-ce qu'il va prendre Scorch ou est-ce qu'il va prendre Aegis? Le Makua, est-ce qu'on va prendre Half Shell? Half Shell, ça fait plus ou moins points de tank, mais ça peut faire le job. Half Shell dans Stonekeep, c'est quand même bon. Stonekeep, c'est fait pour attaquer de tous les bords. Half Shell, ça fait une belle couverture. Billy Talent sur Eevee, j'ai hâte de voir ça. Montre-moi ce talent-là. Yeah, ça commence. Qu'est-ce qu'on va regarder en premier? Ah, je veux voir le Billy Talent. Je veux voir ce que Billy Talent peut faire avec sa Eevee. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des items? Des talents. Ah, Billy Talent a même sa skin. Sa skin de Noël, c'est la bonne à utiliser. Maelstrom, rien d'étonnant. Stunning Visage. On va essayer quelque chose de différent. C'est quand même cool. Je sais que les man aiment beaucoup essayer ces affaires-là un peu plus comme. C'est des trucs avec DCC qui sont juste chiantes. Je sais que les man aiment bien ça. Pluck, ça c'est le fun, j'aime ça voir ça. C'est sûr que probablement que Afshir c'est plus optimal, mais Pluck c'est plus agressif comme playstyle. Focusing Lens, Snow Globe EV, let's go. Accélérant Bomb King, mange de la merde. On sait que c'est buggé, ce talent-là, c'est de la boîte. Restraint, ça c'est drôle. C'est probablement le meilleur talent de Ray, même si ça peut être le meilleur talent. Et juste Nando pour avoir un peu plus de staying power, improvised, puis deep roots. Ok. Beaucoup de résilience. Ouais, déjà deep roots ça va aider. Puis il va faire un grand flank, mais déjà tout le monde est rendu en haut. Là. Ils sont en train de se faire avoir par l'accélérant. Mais les bleus qui ont quand même foncé rapidement en tout, puis ça a quand même fonctionné. Est-ce qu'on va perdre Billy Talent en haut à gauche? Non, il a réussi à s'enfuir. Oh, mais il a pratiquement plus de vie. Contrôle qui l'a vu juste un petit peu trop tard. Mais fin Saturne va se faire finir par Marco Fentatum qui avait dans un gros combat avec le contrôle depuis le début. Le contrôle qui vient de mourir ici. Il n'a pas le contrôle avec Marco. Avec Billy Talent. Les bleus qui réussissent à survivre malgré tout, je suis quand même étonné. Je pense que c'est à cause du staying power de Fernando. Il a pris le point très rapidement. Là, ils restent en arrière de Jiwix, ils jouent bien avec leur tank. Mais éventuellement, il va falloir qu'il y aille. Là. C'est ça que Moutarde fait. Moutarde qui manque son hook. On vient de perdre un healer du côté des deux bords, mais comme on a plein de healers, ça compte pas vraiment. Un autre healer ici qui meurt. Oh, il a un beau hook de la part de Moutarde. Et Moutarde décide de s'en aller pareil. C'est les bleus qui vont réussir à au contrôle qui vient de faire un gros play. Là. Ouais, je sais pas trop, j'avais l'impression que les rouges dominaient puis les bleus ont quand même réussi. C'est peut-être plus contrôle qu'il faut que je regarde. Oh, puis t'as même qu'il y a de la misère là-dessus, excusez-moi, j'ai soufflé dans le micro. Eh boy, contrôle qui fait un massacre. Hey, les haches de Lemias qui font de la job pour contrôle là. Oh! Bafflement, un contrôle qui meurt ici. Je pense qu'il était temps qu'il le fasse. Puis Aidan qui a un petit peu de difficulté présentement. Il attaque dans le shield de Lemias, de contre G-Wix. G-Wix qui fait une bonne job à protéger son équipe. Il joue bien avec G-Wix, j'aime ça. Le Makua qui va tout de suite pour son ult.
Je pense que c'est une bonne idée pour essayer de freiner cette avance-là incroyable. Oups, j'ai fait un bloc. La G-Wix qui nous a fait avoir par une des bombes de... Oh, mais qui fait son rôle pour s'étirer un peu plus longtemps. C'est pas une bonne idée parce que là, il va juste mourir. On va devoir se reculer du côté des bleus. Non, oh. Billy Tan qui vient de mourir, on sait pas trop comment. Billy Tan, tu penses pas que ça va être sa game? GG. Et oui, il vient de se faire avoir ici. Et qui va réussir à s'enfuir, les bleus qui reviennent à la charge. Et G-Wix, pas que G-Wix, Arimi, c'est qui Arimi là? Arimi! On va l'avoir à un moment donné au jeu. Ah ah! Oh! Bidam qui essaie quelque chose, mais je pense... Oh! C'est quand même bien pensé de la part de Arimi de stopper ça, ça aurait pu vraiment être dangereux pour les bleus, mais malheureusement, je pense que la résilience du coup des bleus. Même pas. Ça a juste vraiment bien été. On dirait que l'accélérant s'est rendu pas chouché, pas quoi. Hein. Étonnant. Hein. Et là, oh, il y a le meilleur qui est en difficulté. Il va perdre sa vie ici. Arimi qui continue à faire du travail, mais là, les bleus qui prennent l'avantage. Contrôle qui continue à être une machine présentement. Fin Saturne qui. Tu sais, on a comme Fin Saturne qui fait du dommage overtime, puis après, il y a le contrôle qui arrive, puis qui est fini. C'est une belle stratégie. Évidemment, je devrais peut-être remanger mes hauts quand je disais que ça allait être une game facile pour les rouges. Je pense que les bleus pourraient me dominer beaucoup plus que qu'est-ce que je leur donne crédit. Est-ce qu'on va perdre Fin Saturne ici? Je pense que c'était un beau hold de la part de... Ouais, de Billy Talent pour freiner l'avancée de Grok. Et G-Wix qui essaie de tout faire pour rester sur le point, mais il ne sera pas capable. Les rouges justement qui réussissent à faire une petite défense. Là, on voit c'est juste... Un moment comme d'inattention qui a fait que les bleus ont réussi à prendre leur avantage aussi rapidement. Je sais pas si on commence à être fatigué du côté des rouges. On va voir si on va s'en reprendre. Je pense pas qu'ils ont le goût de perdre cette game-là, même si elle vaut rien. De toute façon, toutes les games valent absolument rien. Oui. Hey, contrôle avec 48 000 damage, 12 000 de plus que les Grocs. Ça fait de la job. Puis même si on a Nando, Corvus et Grover dans le fond, Grover il fait des beaux stuns, en ce moment, des beaux cripples en ce moment. Puis ça aide vraiment contrôle, puis Saint-Saturne, puis G-Wix il protège super bien son équipe. Fait que non, ça fonctionne bien de ce côté-là. Là, faut dire aussi qu'on a Moutarde qui arrive de nulle part, puis qui joue Tank. Fait que jouer Tank, il faut que tu sois comme avec ton équipe. Fait que peut-être qu'il faut qu'il se réhabitue aussi un petit peu, là, c'est sa première game de la journée. Bitan qui va se garder en vie. Et là, oh! Ici, on a un beau hook de la part de Makoa qui va finir Fin Saturne. Petit rondin qui continue à faire des ravages ici en avant. Oh, mais contrôle par contre qui reste. Et contrôle, ça allait bien fonctionner pour lui. Contrôle par contre qui devrait perdre sa vie ici, vous voyez. Avec tout ce qui reste, c'est Nando avec IMSOD64 alias Pinman. Oh! Ici, Lipman qui est mort rapidement. Et là, on va perdre le meilleur probablement. Ah oh, non, il réussit à venir. Ah, probablement à cause d'un beau de Fin Saturne. Mais malheureusement, Fin Saturne, il va décéder. Mais contrôle qui revient à la charge. Puis il contrôle, il manque aucune shot. Arimi qui l'a pas vu. Il réussit à l'avoir. Et après ça, un beau de la part de Dewey. Juste pour s'assurer de rester en vie. Parce que c'est vrai que contrôle aurait pu rater une balle. On l'a rarement vu, mais c'est possible. Je pense que Billy Talent, t'es pas habitué avec Eevee, mais il a fait un beau pli au moins pour essayer de starter le point. Oh, et là, Makoa, il est mort assez rapidement, malheureusement. Et là, c'est... Oh, le hold de Ying, ça a peut-être tout changé, ça, là. Ils sont pas capables de rester en vie assez rapidement, assez longtemps. Et oui, il va perdre sa vie ici bientôt. Oui. Il y a Fin Saturne qui va rester, il y a juste Fin Saturne, puis il y a Contrôle qui vient de revenir. Fin Saturne qui va perdre sa vie ici. Oh, et les rouges qui ont fait tout un retake. Un hero play de la part de toutes les rouges en fait. Il y a Billy Talent qui est rentré. Là, il y a Makoa qui s'est garoché sur le point. Au prix de sa propre vie. Et finalement, de peine et de misère, ils ont réussi à survivre et à prendre le point. Wow. Et les rouges qui font exactement ce que les bleus ont fait le dernier coup.
Ils ont un grand avantage très rapidement. Ils sont plus capables de se regrouper du côté des bleus. On vient de tuer Militarine qui suit d'un board bien contrôlé. Et là, on commence à être dans le marde du côté des bleus. Là. Et on vient de tuer Demias. Marco va peut-être mourir par contre. Oh, il a plus reçu beaucoup de balles. Je pense qu'il est encore correct. Et ça, c'était un move bizarre. Et on va y aller pour un hold de la part de fin de tour, mais en même temps, un hold de Ying. Fait que ça serait pas assez. Les rouges vont continuer à avancer. G-Wix vient de faire un double kill. Pardon, double G-Wix. J'ai tout manqué ça. C'est parce que j'ai regardé un petit peu les rouges qui restaient. Il en reste deux. Un qui est en haut. Heureusement, tu rondin qui a essayé de faire sneaky, mais il a pas réussi. Ah, c'est ça, Marco a pas en arrière. Je me semble aussi que j'ai vu quelqu'un d'autre. Mais ça a pas réussi de faire un sneaky push. Et on vient d'avoir Billy Talon qui contrôle, qui continue son massacre. Hey boy! Un beau hug de la part de Mutard. Fin de cette somme va mourir à cause de ça. Les rouges commencent à se regrouper là, à faire des plis un peu plus en équipe. Oh, ça c'est un beau pli de la part de Eevee. Et G-Wix qui a vraiment essayé de sauver son équipe à travers tout ça. C'est une belle tentative. Oh, et ça c'est beau ça! Il vient de réussir à avoir pas mal de gars d'une shot, mais là Arimi vient de mourir. S'ils vont réussir à pousser pareil, je pense que oui. Parce que je pense que Grok qui fera pas la job puis qu'on trouve plus assez de vie. Sinon, Marco qui va faire un hold si nécessaire, mais je pense pas que ça va être nécessaire. Oh oui! Parce que G-Wix est arrivé juste au bon moment. Ok, fin de cette turn, il a réussi à survivre juste assez longtemps pour que son équipe revienne. Je pense que ça va être la fin pour du push pour les rouges. De la même façon que c'était la fin du push pour les bleus dans le point d'avant. À date, on s'échange un peu le momentum. Le momentum, comme dirait Hugo. Oh, ça c'est beau. Je pense que Billy est déçu. Oh, oh, oh. Il n'y a pas de pornographie qui se fait ici. Ouais, c'est une game à 5 healers. Marco, contrôle qui domine en ce moment, mais fin Saturne qui laisse pas sa place pour vrai. Oh oh, le meilleur qui est dans l'arbre. Ça va bien été pour lui. Faut qu'il se recule, faut qu'il se regroupe. Oh, il y a Lipman qui a essayé de stunner la. La Ying, ça n'a pas fonctionné. On vient de perdre fin Saturne. Et le Mias qui décide d'aller sur le point coûte que coûte, mais ça fonctionne pas. Contrôle qui fait un grand flank. Il va disparaître. Pour revenir un peu plus tard. Et Rouge qui prend pas mal la position du point en ce moment, mais pour l'instant, Contrôle il est pas loin et il va prendre le point dès qu'il peut. Mais je pense que finalement, personne n'aura le temps d'aller sur le point. Eh non, c'est les bleus qui vont réussir à capturer de façon convaincante ce point-là. Les rouges, pardon. Les bleus qui ont juste jamais eu le temps de revenir après la première offensive. Mais le contrôle qui finalement passe à l'attaque, il était pris dans son flingue depuis un méchant bout de temps. Il va perdre sa vie pour ça, par contre. Et le G-Wix, il va perdre la vie dans son dans un beau petit hold de Billy Talon. Billy Talon a des problèmes, hein, mais ses holds au moins, il sera quoi. Regarde un petit peu Billy Talon d'ailleurs. Ah, cool. Il a l'air de bien connaître les mécaniques Billy quand même. Oh, un beau hook de la part de Mutable qui vient sauver Billy Talon probablement. On vient de perdre la ligne du côté des rouges. Un autre hook de la part de Mutable. Je vais voir Mutable pour Billy Talon. Ah ouais, des beaux. Des vraiment des beaux hooks de la part de Billy Talon. Je pense que moi il est pas là pour voir ça. Je serais pas content. Il y a Arimi qui revient, mais peut-être un peu trop tard. Oh non, il sait faire, il en reste encore deux. Il va être correct. Ici, fin Saturne. Est-ce que G-Wix est revenu, Satan? G-Wix va être capable de tuer. Oui, G-Wix a été capable de tuer Tyrondin, mais avec l'aide de contrôle.
Ah, tassez-moi de là. Je veux plus entendre ce chanson là. Ah, elle est si grave détestable. Et aussi, il prépare une autre offensive, mais on dirait que c'est un peu comme raté. On vient de perdre Billy Talent. Un bel H de la part de Makoa, de Meas. On va voir un beau hold de la part de Ariane. Et je sais pas, il est où? J'ai pas trouvé le hold de Harimi au bon moment. Finalement, les bleus qui ont risqué de reprendre l'avantage. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette séquence-là. Je pense que Makoa aura la misère à se garder en vie. Oh, il va laisser aller en avant, il va laisser aller tout pour le tout. Malheureusement, le Dewey qui est arrivé pour protéger contrôle. Oh, il a un beau de la part de... qui va le tout pour vrai, là! On veut pousser ce point-là, on veut gagner cette game-là. Oh, malheureusement, Moutarde qui manque son hook. Et les rouges font tout leur possible pour se garder en vie, mais il y a juste le meilleur sur le point. Quand quelqu'un est sur le point bientôt, si on sera poussé. Yeah! Fin Saturne qui est arrivé, il y a Dewey qui vient de revenir, mais le fin Saturne va sûrement mourir pour ça. Il va ressusciter un petit peu, mais c'est peut-être pas assez. Ah, est-ce qu'il va mourir? Ah, merci, fin Saturne va être mourir, mais il y a juste Dewey sur le point. Le contrôle qui est en arrière qui fait quand même pas mal de travail. Je pense qu'on va aller voir ça directement. Ça pousse. Il reste juste le meilleur. Et finalement, l'équipe A qui gagne. Ils ont décidé d'y aller le tout pour le tout. Moutarde qui a décidé de lancer son ult. Qui a fait let's go, c'est là ou jamais. Et ça a fonctionné. Une game beaucoup plus chaudement disputée que j'aurais cru. Les bleus qui ont eu de la misère au début, mais finalement, se sont bien repris. Je dis les bleus, mais je dis les rouges. On va l'avoir emmené. Fait que des belles games à soir, mais là je pense que c'est la fin. Oui, c'était effectivement la fin. Donc toute une soirée en fait. Toute une soirée pour cette exhibition à LQP. Fait que, bon, ben, j'espère que ça va se poursuivre, j'espère qu'on va réussir à partir une saison 7. On va voir ça dans les prochains jours. Si oui, ben à la prochaine. Sinon, ben à la prochaine pareil, parce que c'est clair qu'on va faire de quoi à un moment donné. Fait que je vous dis à la prochaine fois, parce que je pense que c'est vraiment fini. Oui, tout le monde quitte. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et écoutez, bonne fin de soirée. Ça a été un plaisir de vous commenter ça. À la prochaine.